Bon alors Pokémon Légende Arceus, je vous signale que le dernier stream qu'on avait fait, je vous avais dit qu'on allait revenir sur le jeu quand il y aurait des DLC. Bah en fait il n'y a pas de DLC je pense parce que là du coup il y a la 9G qui va arriver. Je pense qu'ils sont sur autre chose. Hein. À moins que Game Freak aient scindé leur équipe en deux, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui bosse sur la 9G, il y a une équipe qui bosse du coup sur un DLC Pokémon Légende Arceus. Mais voilà, il y a pas mal. Il y a pas mal de rumeurs qui ne sont plus d'actualité maintenant, hein, parce que tout le monde se disait oui, il allait y avoir du coup un DLC. Bah non, en fait, hein. Enfin, je pense que c'est plus d'actualité du coup. Alors, par rapport à Légende Arceus, déjà, il y a trois choses que je dois vous dire. Première chose, le Zarbidex. Le Zarbidex, je l'ai fait en off. Deuxième chose, les flammes étranges, je les ai fait en off aussi. Parce que je vous rappelle que Akenji m'avait bien aidé lors du dernier live, il m'avait aidé à compléter mon Pokédex. Sachez une chose, c'est que même si j'ai opté pour la solution de facilité en demandant à Akenji de me donner les Pokémon, je suis quand même allé chercher tous les Pokémon, vraiment, hein, tous les Pokémon de Légende Arceus pour compléter le Pokédex à 100% moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, Akenji m'avait donné un Ectoplasma, je crois, et ben. J'ai récupéré un ectoplasma, je l'ai fait évoluer, j'ai fait évoluer mon spectrum en ectoplasma avec le fil, là vous savez, le câble, l'objet, le câble. Et du coup, je l'ai fait évoluer. Et j'ai fait ça pour chaque Pokémon que Akenji m'avait donné, sauf du coup Spiritomb, parce que c'est lié à une quête et que la quête, je vais la faire avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de terminer le jeu à 100%, donc on essaie de faire toutes les quêtes, donc toutes les quêtes aussi de la mise à jour. On va essayer de faire ça. Il y a aussi quelque chose que je dois vous dire, c'est que. J'ai transféré beaucoup de Pokémon sur mon Pokémon Home, donc si jamais il y a des Pokémon qui me manquent, j'irai sur Pokémon Home pour les récupérer et pour les transférer. Et comme ça, je vous montrerai un petit peu mon Pokémon Home parce que bah il y a beaucoup de Pokémon que j'ai du coup de précédentes générations. J'ai transféré beaucoup de Pokémon de Noir et Blanc par exemple que j'avais. J'avais pas fait Noir et Blanc 2, mais beaucoup de Pokémon de Diamant et Perle, de Platine aussi, Or Argol, Soul Silver aussi, j'ai tout transféré sur mon Pokémon Home. Je les garde depuis très longtemps, hein. X et Y c'est pareil, Soleil et Lune c'est pareil, Bouclier aussi j'ai tout transféré, et donc on attend la 9G, et ça va être sympa. Voilà. Tu vas prendre qui comme starter pour la 9G BG? Bah à votre avis, qui je vais prendre? En plus, honnêtement, hein, j'en ai fait une vidéo je crois, et je vous avais dit qui je prenais. Donc on va commencer par les quêtes. Donc voilà, regardez par exemple Goinfrex, etc. qui m'avait prêté je crois à Kenji, bah j'ai tout fini quoi. J'ai tout fini. Bon, après, j'ai pas le niveau de recherche 10 sur chaque Pokémon, mais j'ai quand même essayé. Et d'ailleurs, en off, j'ai eu quand même pas mal de Shiny. Notamment, ben, regardez, j'ai eu du coup mon Zorua Shiny, mais ça, je vous l'avais déjà montré. Zoroark Shiny. J'essaie de chasser Furéglon, mais malheureusement, ben, il n'arrive pas. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau des légendaires, on avait tout récupéré. On avait même récupéré Arceus lors du dernier live. Donc aujourd'hui, on va récupérer Spiritomb, ça va être sympa. Je vais vous montrer un petit peu bah, du coup les Pokémon que j'ai en Shiny. Bah, par exemple, Étourmi. Ah non, je l'ai pas en Shiny, Étourmi. Ah, je l'ai pas en Shiny, Étourmi. Ah si, je l'ai en Shiny. Si, voilà, je l'ai en Shiny, mais c'est la version femelle. Parce que c'est vrai que Étourmi mâle et Étourmi femelle, c'est pas les mêmes, regardez. Regardez la tête, genre il a une plus grosse calvitie. Au niveau. Attends, c'est le mâle ou la femelle qui a une calve? Ah bah oui, c'est le mâle qui a une calvitie, bah forcément. Forcément. Voilà. Alors, lui, du coup, je l'ai en shiny. Le Ponyta shiny, bien évidemment, qu'on nous donne. Donc ça, je l'ai eu en shiny. Evoli, je n'ai pas de shiny. Alors, on va continuer, hein, mais vous allez voir tous mes shiny, ça va être sympa. Ferrisson, du coup, j'ai transféré un. Comment ça s'appelle? Un. Merde. Non, attendez. Par ordre numérique, voilà. J'ai transféré du coup un Érissandre que j'avais sur Or Argol, Soul Silver, Shiny. Et du coup, j'ai récupéré du coup comment il s'appelle? Un Typhlosion Shiny de Hisui. Bon, il ressemble à rien, hein, on dirait un Typhlosion normal. C'est juste que bon, voilà, il est bleu, quoi. C'est logique. C'est pas très intéressant. Alors, attendez, je vais continuer. Alors, bien évidemment, il y a toujours le Filali que Akenji m'avait donné en Shiny. Il est magnifique, hein. Je le garde, celui-là, très précieusement sur mon jeu. Il va m'être utile. Le Papilord qu'on avait eu en live, je vous rappelle. Incroyable. Mais non, je vais prendre Poussacha, pas Coiffeton. On s'en fout de Coiffeton. Attendez, qui prend Coiffeton, là? Alors après,
Du coup, Serbilin, très bien. Ronflex, blablabla, blablabla, blablabla. Wistikram, je l'ai eu en shiny. Bah, j'ai eu tous les starters de la 4G en shiny. Ça, c'est très sympa. J'essaie aussi d'avoir Suribou shiny, mais c'est compliqué. Hécateur. Capumain, je l'ai eu en shiny, voilà. Voilà, qui est très... très stylé. Quillfish, j'essaie aussi de l'avoir en shiny. J'essaie d'avoir en fait tous les Pokémon d'Issui en shiny. Voilà, c'est plutôt intéressant. Fragility aussi, j'aimerais bien l'avoir en shiny. Après, alors lui, je l'ai eu en random total il y a genre 2 jours. Je me baladais, je l'ai eu en random total. Donc le Coatox shiny, incroyable. J'étais trop content. Et pareil, genre j'ai eu 2 shiny à la suite il y a 2 jours. Je me baladais et j'ai eu un Tedursa shiny. J'en avais déjà un. Donc que j'ai fait évoluer en Ursa King Shiny. Mais du coup j'en ai gardé un en Tedursa normal Shiny quoi. Bon, il est trop stylé en vert, je le trouve trop mignon. Bon par contre Ursa King on dirait vraiment que... bah qu'il a bouffé je sais pas, il a bouffé des épinards quoi. Et qu'il s'en est foutu partout parce que c'est vraiment pas beau. Pour le coup. Alors après du coup j'ai eu mon Tortipouche Shiny, le fameux. Incroyable hein, j'adore. Spiritomb, voilà, ça fait plaisir. Bon les Arbis je les ai tous terminés hein du coup. Voilà, regardez, toutes les formes, je les ai toutes récupérées. Drascor, je l'ai en shiny, bien évidemment. J'essaie aussi d'avoir un Arcanin shiny, mais c'est compliqué. Pijako, alors Pijako, est-ce que je l'avais eu avec vous? Je crois que je l'avais eu avec vous, mais je ne sais plus. Akenji, est-ce que je l'avais eu en... Je l'avais eu avec vous, parce que je sais qu'Akenji était là sur tous les lives Légendes Arceus. Je crois que je l'avais eu avec vous, le Pijako, genre... On était en mode en train de faire je ne sais plus quoi et il y avait une horde. J'y suis allé en mode bon peut-être qu'on va l'avoir en shiny. Je l'ai eu en shiny avec vous. Donc random total. Tiplouf pareil shiny aussi. Mais c'est trop facile les shiny. Franchement les shiny dans cet opus ils les ont niqué quoi. Vraiment ils ont niqué la chasse aux shiny parce que c'est tellement trop facile en fait. Bon maintenant moins avec la mise à jour mais avant mise à jour c'était trop facile. Bargantua bah, je l'ai eu en shiny. J'essaie d'avoir du coup son autre forme en shiny. La forme est jaune et elle est très stylée. Goopix, alors Goopix, je l'ai eu en shiny, mais aussi il y a 2-3 jours de ça. J'étais sur une horde de Goopix, je me suis dit, ah bah c'est très bien parce que comme ça je vais les transférer sur Pokémon Home. Je l'ai eu en shiny donc j'étais trop content. Bon, pareil, là on dirait qu'il est vraiment malade pour le coup. Trop bizarre. Magmar, je l'ai eu 2 fois en shiny. Voilà, 2 fois. J'ai eu un mâle et une femelle en shiny. Voilà, donc très très stylé, hein. J'étais très content. Scorplan, shiny aussi, dans une horde, j'étais très content. Mais surtout, le plus beau des shiny, vous allez voir, ça va être après. Voltorb, je l'ai eu en shiny, j'étais très content aussi. Mais là, les shiny que j'ai eu il y a 2-3 jours, comme Scorplan, etc., c'est après mise à jour, hein, c'est-à-dire que c'est super difficile pour les avoir, c'est plus facile comme avant. Et regardez ça, est-ce qu'il n'est pas trop beau, genre, vraiment, je le trouve trop mignon. Le Farfurex et le Farfuré en shiny, enfin moins le Farfurex quand même, mais le Farfuré shiny, il est trop mignon. Il change de fou, il est trop, trop, trop beau. Il y a aussi Team Guerriex, ah mais Guerriex, je veux trop en shiny, mais le problème c'est que bah, j'arrive pas à l'avoir quoi. J'arrive pas du tout à l'avoir. Et après du coup on termine avec Zorua et Zoroark, et après le reste, bah, c'est les légendaires. Alors du coup il va nous manquer pas mal de trucs, hein. Au niveau du 100%, déjà au niveau des missions, parce qu'on va faire les missions aujourd'hui. Alors, un trio de Kenotor retors. Cherchez les Kenotor qui ont infiltré le village. Blablabla. Bla 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 bla. Ok. Ah ouais, non mais attendez, vu que... Ah bah, nickel, j'en ai un, parfait. Ouais, là j'étais en train de chasser des Baudrives, bien évidemment. Non mais regardez tous les Suribou que j'ai... Non mais c'est n'importe quoi, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. J'essaie d'attendre, enfin je vais attendre du coup d'avoir terminé le jeu à 100% pour virer 2-3 Pokémon parce que vraiment c'est n'importe quoi là. Alors ils sont où ces Kenotor là? Je crois qu'il y en a un là, quelque part. Ah là. Voilà. Ah mince. C'est comme ça ou pas? Ah nickel. Il se regarde en mode, ouais, c'est ça. On a réussi. D'accord, d'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, les quêtes de la mise à jour, je sais pas du tout ce que ça donne, hein. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh, c'est une quête, ça. Ça y est, t'as tout écrit sur Magikarp dans le Pokédex, montre, montre. Oh. Oui, j'ai appris tout plein de trucs, je suis la professeure Magikarp.
Allez, moi aussi, je t'apprends un truc sur lui. Mélie m'a dit que c'est un secret, mais ce Magikarp, eh ben, c'est Mélie qui l'a fait. Et ouais. Mais elle m'a dit qu'à la base, elle voulait faire un Léviator, en fait. Elle a dit que les Léviators étaient trop forts et avaient trop la classe. Enfin, avaient trop la casse. Et qu'ils savaient voler. Trop la casse ? Ah oui, non, mais elle s'est trompée, d'accord. Et elle a aussi dit que les Magikarp devenaient des Léviators. Monsieur Recherche, j'espère que tu trouveras tout plein de trucs sur Léviator aussi. Ok. Bon, ça, c'est très bien. Bon, d'accord, ok. Y a rien d'autre à faire. Toi, t'as quoi, toi? Machine moulin avant. Ah, voilà, ça, c'est les trucs pour Motisma, ça. Bon, je les ai tous récupérés, du coup. Je crois. Regardez, voilà, j'ai tout récupéré au niveau des Magikarp. Ça coûte une blinde, par contre, hein. Voilà, c'est les fameux trucs pour changer les Magikarp de forme. Enfin, les Magikarp, les Motisma, pardon. Alors attendez, est-ce que j'en ai un de Motisma là? Voilà. Les missions dues à la mage sont hardcore, surtout ceux des combats. Ah d'accord, ok. Bon, il apprend l'âme d'air. Bon, très bien. Alors du coup, les Kenotor là, ils sont où? Putain, c'est con que tu peux pas utiliser de monture ici, quoi. C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est ça? Merci, statuette gardienne. Dame Hulette vend des amulettes aux effets bénéfiques. Hein? Quoi? Rampe l'amulette? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu souhaites éviter de perdre des objets, je te recommande la rampe l'amulette. Ah, c'est des... Oh, c'est des trucs pour faciliter le jeu, quoi. Ouais, je n'ai pas besoin de ça. Ah oui, il fallait que je batte un Lucario, c'est vrai. Oh là 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 là, j'ai plein de trucs à faire. Lui, c'est le mec là qu'on a dans l'île de fer. Je vois à ton expression que tu es prêt à te battre. Allez. On va lui péter la gueule. Ah mais c'est con, pourquoi ça lance pas un combat genre avec l'animation du gars et tout? Bon alors, c'est... c'est le shaming, j'allais dire. Le Filali de Akenji qui va tout démonter. Dracochoc. Allez, tu meurs. Dans le coin de la muraille. Ok. Ouais, non, mais attendez, mais le Kenotor là. je le veux pas en fait. Oui, il peut évoluer. Bah, c'est très bien pour lui, mais je m'en fous. Lucario! Merci pour ce combat. On a encore besoin d'entraînement, Lucario. Ok. Ta force, tu la tires des nombreuses rencontres que tu as faites avec les Pokémon, n'est-ce pas? C'est décidé, Lucario et moi, allons nous aussi mettre notre force à l'épreuve en voyageant dans toutes sortes d'endroits. Et j'espère qu'on se recroisera à nouveau. Bah cool! Oh, Rocher est fort, trop bien. Alors toi, t'as une quête, c'est quoi? C'est la quête mise à jour, ça. Salut Sanji, nous avons quelqu'un d'unique au corps de la défense. C'est un peu notre arme secrète. Pour dire les choses plus clairement, c'est un expert en combat Pokémon. Ah bah ouais, si tu veux. Parfait, attends une seconde. Oula, oula. On a entendu votre conversation, pardon. Voilà qui laisse présager un beau match entre deux experts du combat. J'ai entendu dire que notre arme secrète peut même réussir à vaincre un baron. Oui, non, mais moi aussi je peux vaincre un baron, enfin... Tout est prêt, suis-moi. D'accord. Et c'est qui le maître? C'est lui? C'est pas lui quand même! Et voici notre arme secrète, Oscar! Vous me flattez, Belly, là! Je ne suis qu'un humble garde. Ah bah oui, cela dit. Devant ces portes, je demeurerai invaincu. Il paye pas de mine, mais si. Ah non, mais il a 3 Pokémon, mais c'est de la triche. Moi, j'ai qu'un Filali et il a pas des capacités de fou. Bon. Ah oui, le Kenotor niveau 62. Ah oui, bah, d'accord. Pourquoi pas. Allez, crève. Merci. Le seul Pokémon que j'ai fait, c'était Pokémon version diamant sur DS. Ah oui, ça date.
Ouais, non, mais attendez, mais c'est quoi ce mec là? Non, mais ça y est. Bah, vas-y, et deux fois. Rêve. Ah oui, t'es sûr? T'es sûr d'atterrir? Bah moi je vais te mettre un coup de combat, tu vas rien comprendre. Allez, ça dégage. Ok. Hyper... Ouais, atterrissage, hyper potion, bah ouais, bien sûr. Allez. Oui, bien joué ça. Bon là, il est mort, hein. Allez, bye. Super. Salut Yoshi Purple 72. Non mais attendez, mais c'est qui ce mec là? Et pourquoi il est plus rapide que moi? Attendez, je suis un Filali niveau 100. Allez, dégage. Coucou le chat. Bon, Elixir, ça dégage, hein, ça y est, faut arrêter. Merci, au revoir. Combat terminé. En tant que garde, je pensais mes défenses solides, mais tu m'as complètement submergé. Rien à dire, tu as été incroyable. On sent bien qu'en affrontant tous ces Pokémon durant tes recherches, tu as pu développer une force extraordinaire. Attendez, vous allez me dire que le mec, il bat des barons avec des Lixie, des Kenotor niveau 62 là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand je suis devenu garde, ma première mission fut de capturer des Kenotor qui s'étaient infiltrés dans le village. Oh, mais moi aussi, tiens! C'est rigolo. Puis jour après jour, je devais repousser tous les autres Pokémon qui tentaient de faire pareil. Je me suis parfois fait taper sur les doigts pour en avoir laissé entrer. Certains sont devenus mes partenaires et grâce à eux, je suis peu à peu devenu plus fort. Finalement, j'ai fait tout ça uniquement pour protéger les miens. Après tout, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Maintenant que tu connais ma petite histoire, je me permets de te rappeler un conseil. Fais bien attention lorsque tu t'aventures à l'extérieur. Sur ce, je retourne garder les portes du village. Bon, mais c'était naze, hein. Rocher fort x3. Non, non, mais je veux pas sortir du village, moi. Alors, Kenotor, bonjour. Ah, il est là. Faut pas qu'il tombe sur des Pokémon spectre ou sol, sinon le village est perdu. Bah après il a Crofeu quand même, enfin genre il a des attaques un peu différentes sur les Pokémon quoi. N'importe quoi. Et un autre à droite. Ah merci à Kenji, c'est très gentil ça. Ah il est là. Trop bien. Bon ça c'est vraiment une quête basique que je devais faire au tout début quoi. Vraiment. Yes, je suis Kenotor, je suis content. Oui, oui, c'est bien. Allez. D'accord. C'est tout? Je sais qu'il y avait un mec qui voulait une page de Seriflore, mais je sais plus où. Et voilà qui fait 3. C'est bon, on a attrapé tous les petits chenapans. Merci pour ton aide. Maintenant, il ne reste plus qu'à les relâcher hors du village. Attendez! Vous savez qui c'est, elle? C'est la meuf du conseil 4, là, de... Ah, elle s'appelle... Avec un M, je crois. Marion, non? Elle s'appelle pas Marion? C'est la meuf du conseil 4 de la gêne 2 qui a des Pokémon ténèbres. Marion, c'est ça. Ne les relâchez pas, je vais les prendre sous mon aile. Le corps des bâtisseurs se porte désormais garant de ces 3 Kenotor. Hein? Vous voulez les garder? Mais ils ont causé tant de dégâts à vos bâtisses. Ce n'est pas comme si les Pokémon pouvaient connaître ou comprendre les règles du village, donc soyez indulgents envers eux. De plus, on peut vraiment dire qu'ils sont bon goût, s'ils aiment grignoter nos constructions. Je ne sais plus parler. Par contre, si nous les gardons au village, ils devront apprendre à se rendre utiles. Bon d'accord, on a compris. Bon c'est trop cool qu'elle soit là, mais pourquoi elle est là? Parce qu'elle n'est pas dans la 4G, donc je comprends pas. Bon c'est bien, trop de blabla là. Ok, super. Ah, un super bonbon, bah, génial. Alors, après, il nous reste quoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Oh, la musique, j'adore cette musique. Au niveau des principales, on avait tout fait, hein, quand même. C'est ouf. Alors, le jeu de Baudrive. Plusieurs personnes auraient aperçu un Baudrive suspect, joué avec des enfants, aller parler à Nani du corps de la défense pour en savoir plus. Enquêter sur le Baudrive qui joue avec les enfants le soir sur la plage, premier pas. D'accord.
C'est glauque un peu leur truc, non? T'as vu son nom de la meuf? Zéro respect. J'ai pas fait gaffe, non, j'ai pas vu. Attendez, y'avait pas un mec qui voulait un sériflore là où je sais pas trop quoi parce que j'en ai un moi. Ah si, ça doit être lui. Ah voilà, c'est ça. Il change de forme quand le soleil disparaît. Ok. De fleur en bourgeon. Bourgeon vivace, un peu rien à faire hein, pour le coup. Bon bah du coup on va faire la quête Attendez, parce qu'il n'y a pas une quête plus simple à faire? Genre une quête qu'on a déjà fait quoi. Parce que en soi, vu que j'avais attrapé plein de sériflores, ouais, c'est logique que j'ai terminé tout quoi. Un poids parfait pardon pour préparation en pot. Il faut que je donne un racaillou. Bon bah ça je le fais hein. Elle s'appelle Vigie alors que c'est une garde. Ah d'accord. Ah pas mal. Alors tu veux un racaille. Oh you. Racaille. Voilà. Il ressemble à s'y méprendre à une pierre et son poids est idéal. Il est parfait. Non mais elle va pas le laisser comme ça sur le pot quand même. J'ai jamais compris comment ils pouvaient flotter les racailloux moi. Trop bizarre. Alors après, est-ce qu'on a une autre quête? Franchement, c'est trop simple ces quêtes-là. Je sais pas pourquoi je les ai pas faites avant. Hein. Ok. Montrer la page Pokédex complétée de Krizik à Moni. Moni, c'est Moni. Allez. C'est où? Ah, c'est elle. Ok. Quand il y a un temps de chargement, c'est que bon, c'est bon, la quête est complète, hein. Ok. Je me demande si Ferno du corps des artisans pourrait créer un instrument qui imite ses sons. Ok. Très bien. Mais c'est trop simple en fait. Allez. On va aller capturer un insécateur. Ah j'adore cette musique. Il y a quelques musiques dans le jeu qui sont incroyables. Et celle-là en fait partie. Il y en a pas beaucoup des musiques hein. Dans ce jeu, il y a plus des musiques d'ambiance en fait, c'est plus du Breath of the Wild. Mais des fois, dans certaines parties du jeu, ben t'as des petites musiques comme ça qui sont sympatoches. Le lore du jeu est grave sympa. Oui, oui, après, est-ce que je m'attendais vraiment à ça par rapport à la quatrième génération? Je m'attendais à plus de choses au niveau du lore, c'est vrai que... En fait, on comprend pas tellement pourquoi Dialga et Palkia ont perdu leur forme, etc. Enfin... Il y a des choses, je comprends pas trop, on sait toujours pas pourquoi, ben, il y a Amovenus, là. C'est trop bizarre. Ah oui, putain, il faut que j'aille parler à Selena aussi, parce que, vu que j'ai capturé plein de Pokémon, ben, du coup, mon truc, là, mon grade, il s'est amélioré. Ah, mais il y a une nouvelle quête, tiens. Un monsieur mime dans le village. Ok. Ah, c'est la 21. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Yes! Bon, il va nous rester plus qu'une étoile. Alors, est-ce qu'on a toutes les étoiles une fois qu'on a terminé le niveau de recherche 10 sur tous les Pokémon? D'accord. 10 super bons, 20 pierres et forts! Bah dis donc. Attends, généreuse, Selena. Et au niveau de mon Pokédex, alors attendez, est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas encore une étoile, hein. Non, non, non. Je suis à moitié, mais il m'en faut encore. Alors attendez, au niveau des quêtes, on avait dit déjà qu'il y avait une quête au niveau des Baudriffes qu'on devait regarder là. Ah non. Bah c'était quelle quête alors, je comprends pas. J'ai un problème au niveau des boutons moi. Éclat de ballon, ça on s'en fout. Étudions le gros champi. Parler à Gonfus. Ah ouais, non mais en fait, il n'y a plus de quête ici. Attendez, on a quoi comme quête, en fait? On va regarder les quêtes qu'on a. Voilà. On va les trier, parce que sinon, on n'y arrive jamais. Alors, les jeux de Baudry, bon, ça, on connaît. Éclat de ballon dans les plaines, bon, ça serait simple, à mon avis. Le rôdeur nocturne. Mélie, la chef du corps des bâtisseurs, voudrait que vous enquêtiez sur les phénomènes étranges qui se produisent dans ces quartiers une fois la nuit tombée. Inspectez les quartiers de Mélie. Ah ben, la nuit tombée, d'accord. Attraper le mystérieux feu follet de nuit sur la rive Filevent.
Oran a une mission. Alors, toi, t'as une mission. Oran, il est où? Ah, mais il est dehors. Bon, on va aller dehors, du coup. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tiens, salut! Merci encore de m'avoir fourni des Béorans la dernière fois. Ouh, je savais même pas que tu t'avais donné ça. Hein. D'accord. Enfin bref, comme tu es quelqu'un de sérieux, j'imagine que tu es là pour donner suite au problème dont j'ai parlé au professeur. Oui, ok. J'ai repéré un monsieur mime qui semble avoir élu domicile au village. Non mais attendez, mais le garde là, il branle quoi en fait? Enfin, il est là pour empêcher les Pokémon de passer. J'aimerais que tu le prennes en filature. Bon bah d'accord, on va faire ça alors. Ah regarde, il est là. Moi, il m'a toujours fait peur ce Pokémon, enfin monsieur mime, c'est... Ah! Il y a un mur invisible. Ah oui, parce qu'il n'y a pas un délire comme quoi Monsieur Mime, il crée des murs invisibles. Ouais. Fouillou. Ok. Il est parti par là. Il y a quelque chose à se reprocher, d'accord, bah oui, bah alors, attends, il est où, monsieur Bim? Ah, non, d'accord, ok. Oh, mais putain, mais j'ai... Oui. Ah oui. Eh ben oui, c'est logique. Quoi? Oh. Je peux faire le tour. Le bout des doigts de Monsieur Mime peuvent geler de l'air. Ouais, enfin non, il solidifie l'air, je veux bien, mais geler, tu verrais quand même ben, de l'air gelé, quoi. Oui, j'ai un hérissandre. What? Quoi? What? Mais je passe comment? Attendez. Attendez, mais il y a un passage. Enfin, il y a un labyrinthe en fait, c'est quoi? Ah non, oh purée. Ah oui, d'accord. What? Oh putain, hey, voilà, c'est bon. Et pas une troisième fois. Oh non, pas une troisième. Il est parti par là. Tu sais, tu as une façon vraiment unique, voire bizarre, de t'approcher des Pokémon. D'accord. Puis Hérissandre, tu peux l'attraper, Hérissandre. Il est dans les failles spatio-temporelles. Approche-toi de lui pour voir s'il est vraiment en train de créer un mur invisible. Oui, non mais d'accord. Oh, putain. A l'aide! A l'aide! Oh! Oh! Oh non! Ah, comme ça! Oh non! Ah oui! Oh bon là là, trop fort! Bon là, t'es bloqué là! Ah non, il s'enfuit encore! Et attends! Attends, je t'ai dit! Je peux plus avancer. Il y a un obstacle invisible juste en face de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur Mime? Tu as l'air tout paniqué. Ah, il aide à garder l'entrée du village, d'accord. Bon, bah, d'accord. Et ben voilà. Oh, défense extra, j'en ai jamais eu. Mais attendez, mais... On est d'accord que... Il vient d'apparaître, le monsieur Mime, parce qu'il y était pas avant. Alors du coup... Je crois que le photographe, il avait une quête. On termine tout, hein, tant qu'à faire. Ouais. Ah mince, non, je sais pas quel Pokémon il avait. Attends. Il s'appelle... Le mec s'appelle Image. Ok. C'est quoi? Ah, bah c'est un Skelenox. Non, je veux pas... Non, je m'en fous de la photo. Oh purée, il fait chier, hein. Je viens au sujet de votre demande. Je pense avoir trouvé le Pokémon. Nanana, nanana. Ah non, il est là. Ce photographe, je lui donne rien depuis
qu'il m'a mal regardé au début du jeu, je ne fais plus appel à ses services. Ouais, mais bon, moi, il faut que je termine le jeu à 100%, donc bon. Quelle vision cauchemardesque! Le mec, il dit ça devant lui, le pauvre! Ouais, d'accord. Ok. Nouvelle option chez le photographe. Bah, c'est très bien. Ah, bah, c'est tout. Ok. Bon, il a plus de quêtes, je pense. Bon, allez, on va dormir dans la maison et on va aller faire les quêtes, hein, du coup. Fallait qu'on aille à la plage premier pas. Plage premier pas, c'est là, hein. Ah bah ouais, mais il y a rien. Bah. Quoi? Bah. C'était quoi la mission? Je comprends pas. Ah, mais il faut que j'aille parler à la meuf d'abord. Ah, d'accord, ok. Ah bon, de toute façon, il y a une autre mission le soir, donc allons faire ça alors. Ouais. Non, tu lui as pas parlé à Nani de toute façon. D'accord, ok. Mais... d'accord. Ah, je peux l'attraper ou pas? Parfait. Pourquoi l'arbre n'a pas cramé, on m'explique? Bah ouais, c'est une bonne question. Très bonne question même. Et voilà. Retournez voir Furol. Et montrez-lui le Whisty Cram. Pourquoi elle se fout là, elle, déjà? Tu peux aller jeter un œil à l'île Rosa Grugosa indiquée sur ta carte. C'est quoi cette mission, là? Attendez, il me manque quoi, là? La 7, 8, 9, 10... Ah, il me manque la 10. Je l'ai pas, la 10, tiens. Ah, c'est ça. 30 hyperboles? Putain, ça doit être chaud, ça, hein. Ça doit être une mission de fou. Quand tu lances la Mass Ball en combat, les stats sont les mêmes qu'une simple Pokéball. D'accord. D'accord, d'accord. C'est une mission de mage. D'accord, ok, ok. Qui va faire le Go Fest? C'est quoi le Go Fest? Je sais même pas ce que c'est. Il s'est pété la gueule. Mais il y a un Zorua là, on est d'accord. J'ai entendu un Zorua. Ouais. Et donc? Ah, mais c'est pour ça! C'est tout? Non, mais je vais les attraper, moi. Merde. J'ai fait ça. Attends. Ouais, ouais, calmez-vous. Oh! J'ai fait un génocide! Je les ai tous attrapés! Eh ben, désolé. T'as lancé la quête pour avoir des shiny plus facilement? Ah, y a vraiment une quête pour avoir des shiny plus facilement? Arrête tes délires. C'est vrai? Bah, une horde. Tu peux être plus clair? Qu'est-ce que t'as vu comme Pokémon? Ah, des Zorua. Des Zorua, les Pokémon. Rancœur renard, ils sont plutôt rares pourtant. J'en ai aperçu une fois. C'était sur les Terres Immaculées. C'était ces Zorua qui te préoccupaient autant, de Goinfrex. What? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qui se passe, Goinfrex? C'est dédoublé? Enfin, ça m'empêche pas de reconnaître lequel des deux est le mien. Non, mais c'est un Zorua, l'autre, non? C'est pas ça? Mon Goinfrex, c'est celui qui est le plus éloigné de moi. Ah bah voilà, je vous l'ai dit. Oh, bah alors, on est dégoûté. T'as Goinfrex qui la juge, là. Ah ouais, tu me reconnais pas? Qu'est-ce que je fous avec toi, là?
Le bruit. Tu joues à Pokémon Ghost à Kenji? Ah, c'est des... j'ai cru qu'on parlait à moi. Le GoFest, c'est un événement dans Pokémon Go, Sanji. Ah, c'est quoi en fait? Enfin, c'est quoi le principe? Méga apparition, c'est-à-dire sur la map, t'as une dizaine d'apparitions massives qui apparaît et donc plus de chances d'avoir un G-Shiny. Non mais attends, mais Théo, ça existait déjà avant ça. Enfin, les apparitions massives, ça, c'est pas nouveau, c'est pas dans la nouvelle quête ça. What? Ah oui, non, là, il faut que je me barre, d'accord, ok, d'accord. Je vais mettre le jour. En gros, le GoFest, c'est un événement mondial où tu peux avoir plus de shiny et surtout des nouveaux, ainsi que des nouveaux Pokémon et des bonus incroyables. Et c'est quoi? C'est quand que ça arrive, ça? Moi, ouais, Pokémon Go, je vous avoue que j'ai juste transféré mes Pokémon à Pokémon Go et c'est tout, quoi. Eh hey, oh, oh, oh! On se calme, hein. Bon, allez, on va se barrer. Oui, mais maintenant, à la place d'avoir un Pokémon en apparition massive, tu en as plus sur la même zone. En gros, tu peux te retrouver à avoir une apparition Zoroa plus Stalgamin puis Grelassant. Ah, c'est trop bien, ça! Oh, qu'est-ce qu'il a, lui, encore? Oh! Un Tortipousse. Non, non, mais je l'ai, je l'ai. Bon, bah j'ai pas de Tortipousse. Non. Et ton Tortipousse Shiny, mais je l'ai transféré au Pokémon Home. J'ai tout dans mon Pokémon Home en fait. Je les garde pas sur mes jeux. Parce que j'ai trop peur d'avoir un problème au niveau de ma partie ou quoi, ou je sais pas. Ok. Des Zoroa qui se rassemblent hors de leur zone d'habitat naturel. Serait-ce dû à la faille spatio-temporelle? Difficile de tirer des conclusions pour le moment. Quoi qu'il en soit, merci pour ton rapport. Ok. Ça, ça fait plaisir. Sanji, il y a eu du nouveau. Depuis que t'es parti, Gwynfrex ne tient plus en place. Il est comme attiré par plusieurs endroits. Et à chaque fois, une apparition massive de Pokémon est présente. Plusieurs apparitions massives simultanées et dans des lieux distincts? C'est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ce phénomène, appelons ça une méga apparition. Cela m'inquiète. Pars sur le champ faire des recherches sur cette méga apparition, c'est un ordre. Oh, tu vas enquêter sur ce problème? Sur ce problème, quel soulagement. Dans ce cas, je t'attends à la porte principale. D'accord? Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Ok. Là, il n'y a plus de quête? Non. Ah non, je savais pas que je pouvais chercher des Pokémon plus facilement. Pour commencer, je devrais te raconter ce qui s'est passé. Gwynfrex s'est mis tout à coup à courir droit vers une averse. J'ai voulu l'arrêter pour pas qu'il se mouille et c'est là que j'ai vu la méga apparition. D'accord. Ben ça, c'est intéressant. Je vais pas y aller maintenant. Non mais attendez, mais la mission des Baudrives là, t'es gentille, mais elle est où? Non mais ah, il y a un Manzai. D'accord. Rôdeur nocturne. Ah, montrer un Whistikram, ça je peux le montrer. Ça je peux le faire déjà. Mais la quête de méga apparition est super importante et si t'as de la chance dedans, tu peux avoir des shiny apparitions massives de barons et ils peuvent être shiny. D'accord, ok. Bon, bon, on va voir si j'ai de la chance alors. Vous avez combien? Vous avez eu combien de shiny vous dans Pokémon Legend Arceus? Mais quoi? Pourquoi me montres-tu ce Pokémon? Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu cette nuit-là. Hein, tu penses qu'il faut le voir de nuit pour comprendre? Ma foi, celui-là. Oh putain, mais vous faites chier! C'est toujours des quêtes à la con là! Enfin, c'est chiant qu'il n'y ait pas genre une je sais pas, un lit non un lit dehors ou un truc du genre, comme ça tu peux directement passer la nuit t'es obligé de rentrer dans ta maison et tout. Bon, c'est vrai, c'est logique, mais bon. Eh bien, faites la queue de Whistikram quand même. Oui, le voilà, c'est le feu follet que j'ai vu cette nuit-là.
C'est donc un Pokémon. Mes compliments au corps des chercheurs pour cette capture, vous êtes les meilleurs. Ah. D'accord. Ok, super. Alors maintenant, est-ce que je peux faire cette mission des Baudrives? Par pitié, je veux faire cette mission des Baudrives. Mais où est-ce que je dois lui parler à la nana? Je comprends pas. Genre, il l'indique pas sur la carte, alors je fais comment? Bon, il y a une quête à faire le soir, donc je vais le faire. Hein. Oh, bah tiens, c'est Marion. Alors, tu es prêt à mener l'enquête chez moi? Allez, vas-y, on va faire ça. Hein. Salut Arthur 4336. Bienvenue sur le live. Faut y aller le soir, pas la nuit. Comment ça, la nuit et le soir? Bah, c'est la même chose, la nuit et le soir, non? Ah non, peut-être que c'est pas la même chose, en fait. Ok, d'accord. Le tissu semble avoir été déplacé. Des poils noirs sont visibles sur l'ourlet. Oulala, alors à votre avis, c'est qui, comme Pokémon? Ce meuble contient de nombreux rouleaux de plans architecturaux et un dessin de Magikarp. D'accord. Ok. Ah! Je crois que je l'ai trouvé. Il y a des vêtements étranges et une cape à l'intérieur. Ah, ok, d'accord. Oh. Une odeur fruitée se dégage de cette boîte. D'accord. On n'a pas encore trouvé le coupable. Tu veux faire une pause? Bah non. Bah attends, mais quoi? Vous entendez un bruit provenant de sous le tissu. Des étincelles volent. On dirait que quelque chose vient de passer devant vous. C'est un Pichu? Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà! Oh là là, trop fort, je suis trop fort. Bah c'est trop mignon, un Pichu en plus. Attends un peu, ce Pichu. J'ai moi-même du mal à le croire, mais je pense que c'est le Pichu que j'ai trouvé blessé dans la forêt il y a quelques temps de cela. Oh mais tu m'étonnes avec ce bruit-là, tu m'étonnes. Mais moi ça me fait peur, t'entends ça le soir, tu flippes hein. Bon, allez. Il a même enlevé ses petites chaussures. Hein. Le rôdeur nocturne. Ok, parfait. Bon, cool. Alors, bon, du coup, je vais me mettre le soir et pas la nuit. Attendez, il n'y a pas une autre quête à faire le soir comme ça, au pire. Alors. Ah, rassembler les flammes étranges. Ça, je peux le faire, non? Ah, ben voilà. Mais elle, 100%, c'est un fantôme. Hein. Ah, elle me donne des trucs. Ah oui, non mais... Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Ah, merci. Ah, oh, génial. Incroyable. Ah, merci. Ah, merci beaucoup. C'est incroyable, tu as trouvé toutes les flammes étranges. Tu as ma gratitude éternelle. Je suis rassuré. Nous allons pouvoir réparer le sceau et enfermer à nouveau l'esprit frappeur. Mais pour cela, nous devons nous rendre aux ruines brumeuses. Rendez-vous là-bas à la même heure que lors de notre première rencontre. D'accord. Bah, de toute façon, il faut que je trouve un tortipousse. Donc, le marais carmin, c'est génial. On va y aller. T'as commencé le jeu? Quand? J'ai commencé le jeu bah, lors de sa sortie, tout simplement. Voilà. Et j'ai terminé le jeu. Bah, pas en vidéo encore pour le moment, parce qu'il y a encore des parties que je dois vous envoyer. Mais ça ne serait que bientôt, ça ne serait que tarder, voilà. Je sais pas si ça se dit, je pense que ça se dit. Ça ne serait que tarder, oui ça se dit. Allez. Ok. Alors, faut aller là-bas. Oh, parce qu'il y a des Pokémon, je peux pas... Je peux pas m'en aller.
Par contre, alors, du coup, à Kenji, tu as fait, tu as eu tous les shiny par rapport à l'ancienne version du jeu quand tu pouvais reroll les comment ça s'appelle? Ah, il est là, super. Quand tu pouvais encore reroll les apparitions ou pas? Parfait. Attention! Je me casse. Allez, maintenant on va aller voir Manzai. Peut-être qu'il y a un shiny, on sait pas. J'ai toujours eu de la chance au niveau de mes apparitions massives en live, donc voyons voir. Hein. Alors. Je vais mettre une solution furtive. C'est vrai que je l'utilisais jamais la solution furtive, mais en fait, c'est bien. Oh putain! Quoi? Bon, de toute façon, on s'en fout. En fait, c'est des Pokémon qui fuient. Ok. Bon, je crois que j'ai pas de chance là. Ah, mais non! Attendez! Bougez pas! Ne vous en allez pas! Voilà. Bon, je crois que je n'ai pas le shiny, hein, malheureusement. Ok. Oh, parfait. En plein dans la tête. Quoi? Tiens. Tu viens, s'il te plaît? Oh, t'es sérieux? Voilà. Voilà, merci. Allez, on peut y aller. Alors. Bon, là, c'est Spiritomb, hein. On est d'accord. C'est plus facile avant, ok. Te voilà enfin, Sanji. Bien, commençons sans plus tarder. Mais je dois d'abord t'avouer quelque chose. Je t'ai menti. C'est au sujet des flammes étranges. En vérité, il y en a 108 en tout. J'ai la dernière en ma possession. Il te faudra la mettre dans la clé de voûte avec les autres. Cependant, avant toute chose, veux-tu bien me dire ce que tu penses de moi, Sanji? Je sais pas trop. Tu ne sais pas? Alors que tu as passé tout ce temps à rassembler les 107 flammes étranges, ce n'est pas grave. Nous aurons tout le temps de faire connaissance plus tard. Bien, il est temps. La dernière flamme étrange. Une fois qu'elles seront toutes rassemblées, le voyageur à l'étrange pouvoir me pardonnera. Du moins, je l'espère. Ferme les yeux un instant, je te prie. Bah c'est un fantôme. C'est logique, non? Elle va, c'est elle qui l'a, la dernière, donc c'est son âme, quoi. Enfin, genre un truc du genre, non? Ça serait logique. Et ben voilà. Parfait! La clé de voûte se met à briller. Elle a disparu sans laisser la moindre trace. Et voilà, te faire rassembler les flammes était ma facétie ultime. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que tu ne m'oublieras jamais. Ok? Bouchée double. Je sais pas ce que c'est. Vous sentez la présence d'un Pokémon étrange. Une aura inquiétante se dégage des étranges fissures de cette pierre. What? Ah, il est là! Trop bien! Attention! Attendez. Tiens. Tiens, voilà. Ah, mais c'est une femelle! Attendez, Spiritomb a un sexe? Tiens. C'est bon. Allez, go, go, go. Non! Tiens, voilà. Super. Et voilà. Perfecto. J'ai eu un Spiritomb. Génial. Bon bah du coup on peut se barrer hein. J'ai plus rien à faire ici. Ok, oh. Qu'est-ce qu'elle a elle? Encore une fois tu tombes à pic. D'accord. Je me suis retrouvé avec la l'encre dans la bouche et c'était délicieux. Quoi? Elle avait un Okiri? J'en ai pas, je crois. Oh putain, il me faut un Okiri maintenant. Et zut!
Bon, alors attendez. Je vais tout mettre déjà. Je vais donner le tortipousse. Tu sais comment avoir beaucoup d'argent facilement? Oui, c'est avec les trous, les sœurs là, avec les pépites, je crois, c'est ça? Ouais, mais j'ai la flemme. Alors. Bah, il est où? Ah, il est là. Ouais, mais j'ai la flemme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi ça? Nouvelle option chez le photographe. Oui, mais on s'en fout, en fait. Alors, il me reste quoi au niveau des quêtes? Voyons voir. Alors, éclat de ballon. Putain, l'éclat de ballon, il faut que je le fasse. Ah, les plaines obsidiennes. Bah, on va y aller. De toute façon, on va faire le truc de Ryza. Donc, je vais faire les éclats de ballon, là. Ça va être génial. Après, il me manque un truc au niveau des plaines obsidiennes aussi, je crois. C'est de donner un insécateur. Si quoi que se prenne la tête, elle est à ressusciter pour rassembler des informations sur un remède efficace pour gagner. Ouais, on s'en fout. Parler à Grufus. Ne gardez que Pachirisu sur vous pour montrer à Posu une stratégie de combat efficace avec ce Pokémon. Ah, il faut la capacité Vibraqua. Bon. Très bien. Et c'est où ça? Ah, c'est. Oh, c'est dans le Marais Carmin. Putain, j'aurais dû y aller. Bon, alors, c'est pas grave. On va faire ça. Hein. Voyons voir. D'accord. Et là, il te sort un énorme légendaire, un truc de fou. Ouais, ça va être nul. Coinfrex, c'est l'averse qui te met dans cet état. Je me demande vraiment ce qui provoque ces étranges méga apparitions. Comment on les trouve? Si tu regardes sur ta carte magique, là tu devrais trouver des renseignements, non? Ta carte magique. Ah. Oh. Quoi? Genre, c'est tout ça les méga... Non, arrête tes conneries. C'est tout ça? Une méga apparition est la manifestation de nombreuses apparitions massives en même temps. Les apparitions massives sont notées pardon, sur la carte par le signe Nanon. Oh non, c'est trop fort! D'accord. D'accord. Bon. Ok, génial. Génial, génial. Bon, on va faire ça alors. Oh, c'est trop fort. Du coup, je vais prendre le truc des éclats de ballon là. Ah bah c'est où? C'est là? Ah bah c'est d'accord. Ok bon, bah faisons ça avant alors. Bon à mon avis, je pense avoir un shiny hein, dans tout le tas, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de shiny quand même. Oh! Ah c'est trop bien ça avec un Serbilin! Bah c'est trop facile. Oh, il bouge. Ah non bah, c'est ma recarte tour. Non. C'est bon. Vite. Non, non, mais attends, tu déconnes. Bah, j'espère que j'ai encore du temps. Hein. C'est où que je dois aller? Là-bas. Voilà, super. Ok. Allez, go. Voilà. Oh 24, c'est bon? On dirait les anneaux de Mario Kart Tour. Ouais, ok, mais ben, miel qui brille, c'est bon. Ah ben voilà. Génial. Bon. Super. Allez. On va faire les méga apparitions du coup, hein. Là-bas, il y en a une. C'est des crisiques? Ah oui, du coup, il y a marqué Crisic, ok. Très bien. Mais avec ça, tu remplis ton Pokédex, mais trop facilement. Mais attends, mais on dirait... Ils volent, on dirait.
Voilà. C'est bon? Super. Ok, ok, bon. Déjà, un, c'est fait. Si le Pokémon t'intéresse pas, tu peux aller en voir un autre. Non mais d'accord, non mais tout m'intéresse parce que Krizik je l'ai pas en shiny déjà. Mais ça veut dire, ah, ça veut dire que en fait tu peux avoir des Pokémon qui sont pas de la région. Genre par exemple des Orua dans les méga apparitions de la plaine obsidienne par exemple. Mais je les ai déjà. Ah oui, Mustebo et je l'ai en... Voilà. Ok. Ah! Ah, ah, attention! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah non, 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 attends, bouge pas. Non, non, non. Toi, tais-toi. Va te faire. Non! Moi je vais là-dedans. Attends. Tiens. Voilà. Parce que lui, en fait, il me le faut pour le Pokédex en plus. C'est bon, je l'ai eu? Super. Bon bah, de toute façon, là, ça m'intéresse plus, hein, maintenant. Allez, je me casse. Ciao! Les barons peuvent apparaître aussi. Non mais attendez, mais par contre, là, c'était des Musteboué, mais j'ai eu un Musteflotte, donc je comprends pas. T'as tout compris, d'accord, ok, ok, c'est ça. C'est des Abras là? Mais c'est... Attendez, mais il y avait des Pokémon tellement. Ah oui, c'est ça. Ah non, mais. Je me suis éclaté les rotules. Non! Vous barrez pas, s'il vous plaît! Ah, mais ils se sont barrés? What? Tiens. C'est bon? Et du coup, il se passe quoi? Spécimen pourra plus m'attraper, d'accord? Ah oui, non, mais d'accord. Et les autres, ils se sont barrés parce que. Ah non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu apparais ou pas? Ah, je crois qu'il s'est barré. Aïe, 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 aïe. Génial! Bon allez, on se barre. C'est sympa ça. J'aime bien les Goinfrex. Voilà. Bon en fait ils sont un peu cons parce qu'ils partent pas en plus. Bon allez. Je vais y aller à pied parce que sinon on va... Oh non. Oh. Il y a un baron. Attendez. Je l'ai à... Mais attendez, mais... Niveau 76! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Niveau 76! Oui, mais c'est les Pokémon de la même famille, en gros, apparition massive. Ah, d'accord, d'accord, ok. Donc là, je peux avoir un Ronflex, genre. Mais attendez, je l'attrape par contre, c'est trop fort. Goinfrex, pardon, 76. Excusez-moi, hein, mais. Je le prends tout de suite. Voilà. Ok. Bon, là, c'est parti, du coup. Alors, il y a des apparitions plus rares que d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a des méga apparitions de Fionn? C'est possible? Non, je pense pas. Par exemple, là, ça veut dire qu'on peut avoir des Furéglons, là. Je t'avais dit que tu pouvais avoir... tu pouvais voir Yveltal au Marécarmin, mais on peut pas encore l'avoir, c'est triste. Ah bon? Comment ça, on peut le voir? Ah oui, non, mais il y a des Obali. C'est trop mignon, des Obali. Mais on s'en fout un peu, non? Au Bali, je l'ai à... Ah oui, j'ai pas Fogler par contre. Ok. Tiens.
je vais le buter. Ennemi vaincu 1. C'est génial ça. Ça va être génial pour la chasse aux shiny ce truc hein, mais... Fogler, il me faut quoi pour l'avoir lui maintenant? Ah ouais, je peux leur donner de la bouffe aussi. Ça peut être bien ça. D'accord. L'averse devrait bientôt s'arrêter. Et ça veut dire quoi l'averse? Genre elle s'arrête et alors ça veut dire qu'il n'y a plus les Pokémon, c'est ça? T'as plus de chances d'avoir une méga apparition de Furiglon dans la zone de glace plutôt qu'aux plaines obsidiennes ou au Marécarme. D'accord, ok, ok. Ah bah là j'ai un monsieur mime. Ouais. Toi aussi jeté? Ouais, je l'ai à 10 plus. Ouais. Allez! Un petit shiny là! Ouais, non. Putain, mais niveau 62 quand même, hein, c'est assez incroyable! Non, mais en plus, ils vont vite. Ils se barrent vite. Bon. Voilà. On dirait que l'averse est arrêté. Oh purée, il n'y a plus les méga apparitions! Oh non! C'est nul! Ah, c'est pourri! Ah, c'est pourri! Bon. Bah, tout est terminé. D'accord. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que les Pokémon se rassemblent sous la pluie. Finalement, je me demande si Goinfrex est attiré par les averses ou par les méga apparitions. La seule solution, pardon, c'est de continuer à chercher, mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Allons, ne fais pas une moue pareille, que se passe-t-il? Ah, j'avais pas vu, mais elle a un cerf-rousse sur la jambe. Oh, la Géna, c'est vous! Eh bien, en fait... Vous avez observé des apparitions massives de Pokémon pendant des averses. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Mais des surprises, on peut en avoir à tout âge, pas vrai? Après tout, on a même vu un Pokémon apparaître au temple de Sinnoh. Peut-être que l'arrivée du grand Palkia a eu une influence sur les Pokémon. Pourquoi ne retourneriez-vous pas à Rusticité? Le salon de la petite Marcia a beaucoup de succès et ses clients sont nombreux. Mon petit doigt me dit qu'elle a peut-être eu vent d'informations intéressantes. Ah oui, le salon de coiffure. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Bon, d'accord. Ok. Entre vite, Sanji. Oh, c'est la première fois que je rentre dans le salon de coiffure, tiens. C'est quoi ces trucs? Ok. Elle s'est fait une collègue. Oui, j'ai entendu parler de ces méga apparitions. Franchement, je pense que c'est juste une sorte de fête de Pokémon. Non, mais elle est complètement teubée, elle. Hein. D'accord. Bon, de toute façon, est-ce que c'est très intéressant de lire les dialogues? Parce que je pense que... Ils savent pas trop, donc... ils émettent des hypothèses, mais c'est pas très intéressant. Ah! On va aller dans le Marécarmin. Bah, c'est bien, ça. En fait, on va faire toutes les zones, donc ça, c'est cool. Allez, voilà. On va aller au Marécarmin. Mais attends, il y a un problème. Je reçois jamais la notif. Ah! Ça, c'est triste. Et là, comme tu as fini la première quête, là, tu peux avoir de la chance en ayant une méga apparition aux plaines obsidiennes. Est-ce qu'ils le disent quand il y a une méga apparition ou pas? Ah merde! J'y suis allé directement. Oh, furie, mais pour une fois, je voulais faire la quête des Maudrives. Putain, mais c'est lourd! Bon, d'accord. Oh non, pas elle. Enfin, pas lui. Bla bla bla. Oui, c'est incroyable. Ah mais franchement, lui, je peux pas. Hein. C'est épidermique, vraiment. TG, TG. Ouais, ouais, voilà. Mettez-lui un vent, c'est très bien. Il sert qu'à ça. Attends, ils ont oublié les pupilles, là? Non. Non, c'est fait exprès, je crois. Ok, des bégots waves.
Très bien. Ah, il y a Hérissandre en apparition rare au Marais Carmin. Non mais c'est bon, on a compris. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Bon, presque, ils auraient pu mettre ça en quête principale, hein, parce que c'est vraiment des bouts d'histoire. Attendez, excusez-moi, hein. Question. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, là, la petite B en bas à droite? Putain, il y a une apparition de Spiritomb. Trop bien. Cradopo, oui. Et pourquoi il y a une étoile sur Tedursa, là? C'est quoi, ça? Ça veut dire que c'est rare, c'est ça? Apparition rare, il y a Hérisson, Spiritomb, Zarbi et Tortipousse. Ben, moi, j'ai... j'ai Spiritomb. Quand tu donnes de la bouffe au Goinfrex, tu vois les méga apparitions. Ah d'accord, ok, très bien. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un shiny? Ah bon? Non, arrête tes conneries, je te crois pas. Non, 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 mais attendez, mais on va pas me redonner un shiny Tedursa, là, ça suffit. J'en ai trois, déjà. Attendez, non, 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 mais je te crois pas. Non, mais ça me saoule, parce que c'est toujours les mêmes, en fait. Enfin, c'est toujours les mêmes apparitions que j'ai, moi. Oh, le bruit qu'ils font, ça me fait trop rire. Viens là, toi. Oh, il est bébé, c'est un bébé, t'es dur ça. Oh putain. Quoi? Voilà. Voilà. Vous ne vous en allez pas. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a... Ah maintenant il y a Ursa Ring, d'accord. Et attends, est-ce qu'on peut avoir Ursa King ou pas? Bon, on va voir Spiritomb. Allez. Ouais mais Mucuscule, on s'en bat un peu, ouais, on s'en fout quoi, non? Aïe. Il m'attaque Mucuscule ou il s'en fout un peu? On va voir. Hein. Est-ce que je les ai dans le Pokédex? Oui. Voilà. Bon, heureusement que j'ai des Pokéballs en masse, quoi. Oh! Ah! Attention, attention, non, 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 non! Il est shiny! J'en ai un shiny! Oh merde! Oh merde! Il fallait que je sauvegarde! Attendez. Je sais pas comment faire. Oh merde. Attendez. Là, comment dire que... je sais pas comment faire. Rentre. De toute façon, il peut s'enfuir lui-même du combat, je crois pas, hein. Donc il faut que je sauvegarde quand il y a un shiny. D'accord. Ah bah après c'est bien que ce soit tombé sur lui parce que c'est un nouveau quoi. Ah, il peut fuir. Ah merde. Ah merde. Ah mais il fuira pas parce qu'il est gentil. Ah non. Ah c'est bon. C'est bon. Il veut arroser mon fil à lit, c'est bien. Je peux pas lui envoyer une baie dans la gueule. Non. Bon, rentre, allez, c'est plus drôle là. Tu me fais peur là. Allez.
En plus, il a une carapace dorée. Oh putain, il laisse exploser sa colère. Ouh là là, il va me casser la gueule. Il va me péter la rondelle. J'ai peur. Ça me fait penser à la capture de l'autre là qu'on avait eu en shiny aussi. Le papillon là. Putain, allez, s'il te plaît. Bon, après, il est un peu con quand même parce qu'il fait des attaques d'eau sur mon Philali. Donc, tu l'as mis en rogne. Bon, ça va, si je l'ai mis en rogne, c'est qu'il veut me défoncer quoi. Ah, mais vas-y, tu fais chier, eh oh! Attends, mais il laisse. Attends. Il est dragon haut? Il est dragon quoi, lui? Il est dragon quoi? Il est dragon sol? Non, il est dragon poison? Puisqu'il est, lui. C'est quoi son type? Allez, rentre! Ah, bah voilà! Merci! Putain, il m'a fait chier, lui, hein! Ah non mais eux j'ai peur en plus. Alors, je t'ai expliqué la B dans mon avant-dernier message. C'est Pokémon qui... Oui, on est d'accord, oui, très bien. Alors attends, je vais lire ton message juste après, mais d'abord... Oh, Nick. Bon, de toute façon, on s'en fout, hein, ils vont se barrer, donc... L'inverse n'est pas prêt de s'arrêter, mais c'est génial. S'il me pleuve encore sur la gueule, j'adore ça. C'est génial. Comme quoi, tu vois, à Kenji, je t'avais demandé des Manzai dans le dernier live. Tu vois, j'en ai plus besoin, là. Bon, par contre, Manzai, ça serait bien que tu arrives en shiny, quand même. Parce que l'autre, il n'était pas très beau, en plus, en shiny. Je savais même pas à quoi il ressemblait, d'ailleurs. En fait, c'est juste la coquille, là, qui change. C'est pas fou, quoi. Eh oh, tu viens là, toi. T'as niveau 62 quand même. Ok. Bon, alors du coup, très bien. On se fait un petit vortante peut-être. Et où est-ce qu'on va? Je ne vois que dalle. Putain, quel jeu avec une optimisation de merde quand même. Excellent, est-ce que je l'ai en 10? En recherche 10? Je crois que oui quand même. L'inverse n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, c'est comme des failles spatio-temporelles. Allez, Excellangue. Ah, je l'ai en niveau de recherche 8. Bon, très bien. Parfait. Putain, la musique est sympa. Et voilà. Bon, bah, il y avait rien. Roserad, peut-être? En shiny, ça serait sympa. Ah, Roselia, oui, Roselia. Roselia, tu peux mettre un drapeau sur la map au lieu d'ouvrir plusieurs fois la carte, c'est mieux pour toi. Oui, ça, je sais. Ouais, ça, je savais. Il m'attaque pas, Roselia et Tutti Quanti, là. Ah, si. Ah, ouais, non, mais il... Ah, ils sont lourds. Barons-nous. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? D'accord. Ok. Comment il fait pour deviner quel Pokémon se rassemble dans une méga apparition? Un talent inné. Tu peux mettre un drapeau sur la map au lieu... Oui, ça j'avais lu. Oui, non mais d'accord, on a compris que c'était ton ami, blablabla. Ah, mais ça veut dire qu'on pourra potentiellement avoir un Caninos, les gars. Caninos, c'est stylé quand même. Blablabla. Allez, tais-toi, putain. Toute ta vie, elle parle. Ouh là là.
Bla, super. Allez. Que du blablabla. Bla, bla. Hop. Attends, j'en ai plein. Hein. Bah, je vais garder les Bego Waf, du coup, vu que ça sert. Je vais les mettre en favori, même. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, déjà? Ah oui, j'avais un truc à faire pour le Marie Carmin, là. C'était quoi, déjà? Non. Allons voir s'il arrose. Ah! Bah, j'ai une quête, là. D'accord. Donc c'était la page de Roselia. Très bien. Bon, je sais pas si ça a aidé que je les ai attrapés tout à l'heure, mais bon. Alors j'en avais une autre de quête. Je sais plus ce que c'était. Petite soif. Ah, il faut que je montre à Vibra quoi. Ah bah oui, c'était là-bas. Bon, c'est génial. C'est un spawn rare à la plage Lazuli. Oh, c'est nul. Pourquoi c'est un spawn rare, Caninos? Alors, tu veux un Vibra quoi? Ben, j'ai un Psycho quoi, si tu veux. Quoique, non, sans coquille, c'est mieux pour toi. D'accord. Ah oui, c'était pour le simularbre. D'accord. Très bien. On va le capturer, hein. Quoi? Ah, je dois vaincre l'adversaire. Ouais, non, mais c'est chiant, par contre. J'ai envoyé Philali. J'ai toujours cru que Simularbre, il était plante roche, moi. Mais en fait, il est roche sol, je crois, un truc du genre. Enfin, il est pas plante, en tout cas. Ou il est que roche, je sais plus. Et voilà. On va prendre du coup ben, le shiny quand même dans notre équipe. Oui oui, t'es content, c'est bien. J'ai hâte de voir comment il est le Muplodocus en shiny. Parce que je sais pas du tout. La masse ball. Très bien. Alors, c'est pas là, c'est lui. Alors, bon, déjà, les quenotaurs, on en a un peu rien à faire. Paf, paf, paf. On prend tout ça, on jette. Alors, bah, il est là. Oui, c'est vrai que il reçoit... Enfin, regardez. Genre, lui, il est gris. Et lui, il est doré, quoi. Mais c'est pas fou. C'est pas fou, ouais. C'est pas fou. Alors, vous êtes prêts pour l'évolution? Moi, je connais pas, hein, donc on va voir. Mais normalement, Mucuscule, il n'est pas jaune. Pourquoi ils l'ont pas mis jaune? Bah, il a pas changé, quoi. Qu'est-ce que... Oui? Ah, il a les yeux dorés. Ouais. Allez. J'accepte. J'accepte. Allez. J'accepte. Il s'est mis Gucci, quoi. Bah ouais, mais bon. Pas fou, quoi. Perdu dans le marais. Ah, il faut que je montre la page complexe d'Octiri, d'accord. Le petit creux de type louf. Un match hopper pour les bâtisseurs. Saveur du miel. Fini la phasmophobie. Putain, j'en ai plein à faire. Hein. Ah oui, il y a les trucs de Goopix aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de trucs. Bon, on va se barrer. Faites votre rapport à Aniké. Donc, il est là, Aniké. Il est là. Charlie est rentré saine et sauve. D'accord. Bah c'est bon, c'est terminé ça. On l'a faite cette mission. J'ai dû la faire en off peut-être, je ne sais pas. En fait tout le monde est là-bas quoi. Enfin c'est quoi ce délire là? Tout le monde s'est barré dans le village ou quoi?
J'ai l'impression que tout le monde est dans le village. Bon, il parlait tout seul, le mec. Bah, j'ai un... Est-ce que... Ah, j'ai pas d'Avitrini. Ah, merde. Ah, j'ai un parasect. Ah, j'ai... Alors, attends, il me faut... Oh là là, attendez, je vais noter quelque part parce que... Il me faut un parasect. Bon. Vous savez quoi? Mince. On va terminer déjà les missions de la mise à jour. Et après... What? Bah, attends, il faut... Je parle à elle, je crois. Voilà. On va terminer, du coup, ouais, les missions de la mise à jour. Et après, on se focusera sur les quêtes, hein. J'ai pris mon deuxième compte car ma tablette a plus de batterie. Ben, très bien. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec ses poils en forme de... Mais on est d'accord, c'est ses poils, hein, c'est pas un tatouage qu'il a. 30 boules gluantes. Mais lui, il vient de la zone Terre Immaculée, lui. Il est même pas de... Du truc Lazuli. Bon, je sais pas. La côte Lazuli. Plage Lazuli, je sais même plus comment ça s'appelle. Et la zone bocage agité, elle se trouve où en fait? C'est où? Ok, bon, très bien. D'accord. Cool. Alors, on va lui donner du coup, hein. Comment on fait pour lui donner? Forum des objets perdus, vos objets perdus. Ok, très bien. Comment je lui donne les... Ah voilà. Côte Lazuli, spawn rare, type louf caninos. Oh! Yes I. J'ai un quillpic là-bas. Enfin un quillfish pardon. Togepi. Bon eux on s'en fout du coup puisqu'ils donnent rien. Bon Onyx... Ouais, Osef. Bon, on va aller surtout voir les caninos. D'accord. Bon, eux, on s'en fout un peu. Quoi qu'on peut en récupérer peut-être. Hein. Les 100 coquilles. Voilà. Je sais pas comment il est en shiny. Mais vas-y. S'il est d'une autre couleur, pardon, ça peut être sympa. Bah à mon avis il doit être d'un bleu plus clair ou un truc du genre, enfin c'est... C'est un peu de la flémardise. Bon, voilà. Y a plus rien, bon, on est parti. Je crois qu'il y a une mission là-bas, bon on va la faire après. Allez, par pitié. Oh, Arcanin. Mais attends, mais c'est de la connerie là, comment je monte sans me faire repérer? Attends, je vais mettre une solution furtive. On est parti. Ah mais je peux pas là, c'est mort. Oh, il m'a vu? Sérieux? Ok. Bon, on va faire ça. Non. Voilà. Bon, ah merde. Attendez. Donne-moi une boule. Voilà, c'est bon. Mais putain, mais... Oh là là, ah bah Nick. Nick, je me suis fait triple shot. Et voilà, tout content. Le petit creux de Tiplouf. Très bien. Alors, du coup, on va se barrer. Il m'a vu? Qui m'a vu?
Attends. Je sais pas s'ils aiment ça, hein, mais Osef. On se calme. Ça. Mais putain, mais pourquoi c'est toujours des méchants? Attention. Je me casse. Ah, il y a un truc ça. Il se passe quoi là? Ah mais il faut monter comme ça en fait. Oh, bloc de tourbe, c'est bien ça. Attends. 2 secondes, t'es gentil. Ouais. Attends. Bouge pas. Tiens. Prends ma noix grume périmée là et me fais pas chier. Attention! Ouais. Bah c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Allez, donne-moi une hyperbole. Voilà, parfait. Ok, super. Tiens. Mais mange! Voilà. Voilà. J'ai trop de trucs dans mon inventaire. Tiens. Toi aussi tu en veux un là-bas? Mange ma boue. Mange, voilà. Et go. Mais quoi? Mais où il va? Ok. Vite. Voilà, super. S'il faut, il y en a un shiny en haut, hein, mais je peux pas là, j'ai trop de mal. C'est insupportable, hein, les Canilos, vraiment. Pourquoi ils t'attaquent? Ils ont l'air tout sympas, je comprends pas. Voilà. Allez, m'emmerde pas maintenant. Voilà, super. Ah bah c'est génial. Ils ont tous disparu. Eh bah ça valait bien le coup de faire tout ça, hein, dis donc. Ah, on dirait que l'averse a arrêté, tu déconnes? Genre comme ça. D'accord, bon. C'est génial. On devrait retourner à rusticité en attendant qu'une autre se forme. Ah, mais en fait, tu peux alterner genre rusticité et tout. C'est bien ça. Alors, ah ça c'est sympa. Barantua c'est sympa. Par contre j'ai pas Caninos. Ça c'est chiant. Il y a Primplouf là-bas. Après le reste, très intéressant quoi. On va aller là-bas. S'il y a un Riolu aussi, Riolu ça peut être cool. Bon, normalement ils se barrent, eux. Voilà, c'est bon. Oh! Ah oui! Ah mais ils s'en foutent de nous? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Il y en a trop là des méchants. Ah mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh purée. Bon, d'accord. Allez-y. Paragruel. Eux ils sont chauds, fais gaffe. Bah en vrai avec Sylali ça va le faire. Oh il est mort. Sile rapide. Damoclès. Bah il est un peu con hein. Tu t'es fait. Bah tu vas te faire mal tout seul mec. Oh quoi, il est pas mort? Oh bah je vais le capturer. Ah bah non, il va mourir. Abruti.com hein, vraiment. C'est bon? C'est tout? Y'avait que ça? Quoi? Voilà.
Donc une femelle. Ah, il a de la glace lui, vent glace. Ah non mais attends. Tiens, envoyez Muplodocus là. Comment il va être sur l'eau? Ouais. Pas si gros que ça. Je m'attendais à un truc plus gros. Voilà. Génial. Bon, bah il y a plus. Ah, si, elle est toujours là, la méga apparition là. Il m'attaque ou pas? Oh, j'ai. Ouais, non, il m'attaque pas, hein. D'accord, d'accord. Ah mais les femelles m'attaquent pas en fait. C'est ça le délire? Ah non, si si, les femelles m'attaquent en fait. Ok ok. Eh oh, on se calme hein. Bon c'est bon. Bon là y a plus rien hein. Vraiment, cassons-nous parce que ça sert à rien. Avec un Lucario. Est-ce que Lucario m'attaque ou pas? Non, je crois pas. T'as niveau 62 encore. Oh, mais non, mais pourquoi tu es énervé là? Non, ça, je comprends pas. Il y a certains Pokémon, genre, ils s'énervent tout seuls. Alors que pourtant, j'ai rien fait quoi. Enfin, je vous ai capturé, mais bon, tranquille quoi. Quoi? Mais d'où ils m'attaquent eux? Mais c'est, ils sont censés être gentils! Oh bah vas-y, allez, barrez-vous hein. Bon, lui il a décidé de rester. Oh non, oh putain. Mais vas-y là. Et pourquoi la vie est-elle cruelle avec moi? C'est fou quand même. Qu'est-ce qu'il a lui? Il me fait peur lui. Wow wow wow, calmons-nous. Tiens. Ouais ouais ouais. Tiens. C'est bon? Oh putain, je l'ai pas eu. Allez, vas-y, barre-toi. Bah de toute façon, on peut... Ouais, attendez. Oh mais putain, mais... Et il est content, il va défoncer, il est content. Ok. Pouvoir lunaire. Ouais non mais non. J'avais oublié que bon il est dragon dragon fer là, dragon acier, mais bon il se fait quand même défoncer quoi. Ouais laisse tomber, laisse tomber. Allez laisse tomber. On va voir un autre Pokémon si j'étais. Non mais oui on s'en va là, c'est bon. Ça m'a saoulé. Bon alors, est-ce qu'il y a un Pokémon sympa dans le lot là? Parce qu'il n'y a que des connards, vraiment. Je me suis fait défoncer par tout le monde. À chaque fois, ils en mettent des méchants. Et je peux rien faire. Alors. C'est parti. Oh bon, vas-y, dégage. Ah! Ah! Non, 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 non! Bon, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Oui mais c'est trop facile de dire sauvegarde maintenant. Bon ben voilà, hein, on a bon, bravo à la personne qui m'a dit Shaglam parce que bah ben voilà, bravo.
Mais pourquoi j'ai que des Pokémon bidons en shiny, putain? Bon, après, ah, je l'ai pas trop vu en vrai. En vrai, il avait un rose sympa. Mais bon. Ouais. Après, Primplouf m'intéresse parce que je l'ai pas en plus 10. Ouais, lui il m'attaque, ouais. Ah, l'apparition a terminé ou pas? Bah on s'est fait niquer là, encore une fois. On va passer 10 heures sur la côte Lazuli là parce que je veux mon foutu shiny, mon shiny Caninos là. Ah mais non c'est bon, la quête est terminée, d'accord, ok. Oh Lucia, qu'est-ce qu'elle fout là? Oh non. Elle veut que je l'affronte. Bon. Eh ben c'est parti hein. C'est parti. Lumineon, il est comment shiny? Je crois qu'il est jaune, non? Il est pas un peu jaune 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 citron? Ah, oh, elle a 7, 5 Pokémon, pardon. Ouais, mais l'eau fait après. Mais pourquoi tu laisses un PV à chaque fois, Fidali? Putain, tu déconnes. Non, mais Fidali, il est nul, Kenji. Ton Fidali, il est pourri. Il laisse un PV à des Pokémon niveau 66. En fait, je devrais... Je sais qui je dois prendre. Hein. Je vais récupérer mon Arceus. Hein. Allez, ça dégage. Ah mais ça n'existe pas, Pikachu qui m'attaque avant là. Je suis niveau 100, putain. Je comprends pas comment c'est fait. Hein. Ouais, mais tu vois, je pense que Filali il est pourri en fait. Je pense que Filali en fait c'est pas un Pokémon très très fort de base. Allez, monsieur Mime, vas-y. Oh, ça passe. Parfait. Voilà, il s'est réveillé. Ça y est, Filali s'est réveillé. Oui, de base, il est pas fou. Ouais, mais après, c'est dommage. Ah, Boscara. Bah, ça va me faire zéro dégâts. Damoclès. Bon. Alors, qui va être le plus rapide? Muplodocus ou Boscara? Ah, c'est moi. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai gagné. Pourquoi Pikachu il fait pas le bruit? Enfin, pourquoi il fait pas son bruit dans épée et bouclier? Genre, il fait pas Pika. Ah! Nous avons discuté avec le professeur et voilà notre théorie. Les Pokémon semblent se rassembler près des résidus d'énergie de la faille spatio-temporelle. Ok, bon, d'accord.
Toujours plus, prends Arceus. Ouais, non, mais bon, je vais pas m'abuser à battre des gens nuls, quoi. Arceus, il est très fort. Oui, Ryza, on a compris. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bien. Génial, alors. On se barre. D'accord. Ok, elle veut que je lui rapporte des appâts tout mous, c'est ça? Opération gourmand. Sur les terres immaculées, d'accord, ok, ok. Bon, ça c'est bien. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœur Charlie est partie sur la côte Lazuli, mais elle est toujours pas revenue. Ah! D'accord. Bon bah ça c'est génial. Elle s'est encore perdue l'autre. Trop cool. Terres immaculées en gros potentiellement du furiglon. Ah ça c'est génial ça. Alors attendez. Petite question. Le truc, la quête de l'Evoli là, c'était quoi qu'il fallait avoir? Ah voilà. Rizélé, baie bourbon et blé frambi. Ok. Il va en faire quoi de ça? Il va faire évoluer son évoli? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Un muffin tradition. D'accord. Oh non, t'es sérieux? Il veut encore des ingrédients? Ah d'accord, ok, bon, je crois que c'est bon en fait. D'accord. Très bien. Bon, c'était une mission pour des muffins. Quelque formidable. Alors, on pouvait montrer le mon chaglam shiny ou quoi? Quelque exceptionnel! Trop stylé. Ah! Quoi? Bon, au moins, il y a des animations, j'ai envie de vous dire, sur les nouveaux Pokémon. Enfin, sur les Pokémon. Caillou est fort. Ah bah non non, il a pas gardé le chaglam. Ok bah j'aurais pu lui montrer mon shiny. Alors du coup. Alors. Bon maintenant qu'on a fait la queue exceptionnelle. Je vais faire le truc ouais je vais aller à ma maison. On va faire le truc des beaux drives enfin. Ça suffit là. Bon j'espère qu'elle est incroyable hein, parce que sinon ça va chier. Oui, pour tous les PNJ qui te demandent des Pokémon, le dialogue change quand tu leur montres des chromatiques. Ah, oh, et ils disent quoi de plus? Genre, oh, mais il a une couleur incroyable. Un truc du genre. Monsieur le chercheur par ici. Je voudrais rentrer chez moi maintenant, mais Baudrive me laisse pas partir. S'il te plaît, tire sur ma main. D'accord. Youpi, je peux enfin rentrer à la maison. Mais tu sais, Baudrive, il est pas méchant. Il nous a juste laissé jouer avec lui. Et comme on voulait pas que les gens soient méchants avec lui, on n'a rien dit. En fait, mon nom, c'est Fanto. A plus tard, monsieur le chercheur. C'est tout? Faites votre rapport à Nani. Attends, voilà, dis-moi ce que tu as appris au sujet de cet inquiétant Baudrive. Je vois le petit Fanto essayer donc de protéger ce Pokémon. D'accord. Bon ben voilà. Poussière étoile x 1. Le truc nul quoi. Que t'as au tout début du jeu. Alors. Voilà c'est bien parce qu'on aura tout terminé. Il me manque la 10. La 10 c'est laquelle? Je sais même pas ce que c'est. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok.
Renseignez-vous auprès de Tammy. Ah. Bon, bah, on va faire ça, alors. Qu'est-ce que tu veux, toi? Apportez à Tammy le Pokémon à 3 feuilles qui se trouve au Marais Carmin. Le Pokémon à 3 feuilles. Ah, ça? Manzai? Attends. Pokémon à 3. Je dois l'avoir parce que sinon il me dirait. Ah, Cerebou? Non. C'est quoi le Pokémon à 3 feuilles? Mince. Dommage. Ah ouais, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Faut que j'aille chercher un chlorobule. Allez, Psychoquack. C'est la prochaine. Bon, allez, on va se TP parce que sinon, c'est long. Ah, c'est elle. C'est un truc oculaire, ça. Alors, un remède secret. Ah, mais c'est le remède de diamant et perle, ça, pour les Psychoquack. C'est le même, non? Donnez le remède secret à Lunaise. Très bien. Ça, je peux pas. Fantominus. Ah, voilà, ça, je peux le faire. Bon, il était juste devant, en plus. Je vois. Des champignons, hein. Apparemment, les Fantominus adorent les champignons. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, papa? Putain, mais c'est le même gamin que tout à l'heure, sauf qu'il est blond, on est d'accord? Enfin, ils se sont pas cassés le cul, là, non? C'est fantôme et en blond. Fini la phasmophobie. Ah, le fil de liaison. Bon, ça, c'est bien. Au moins, il t'en donne un gratuit, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors. Perdu sur la côte. Ça, on a fait. Parler à une aile. Ah purée, c'était à l'intérieur. Et il est où Percupio? C'est bon, il est mort. Non mais j'en ai des mélophées. J'ai entendu dire que des mélophées de cette région vivent sur la source sphérique. Ah, tu veux un mélophée? Tu veux un mélophée? Ouais, d'accord, ok, bon, allez, très bien. Toi, t'as rien à dire? Non. Bon, très bien. Montrer la page Pokédex de Grelasson à Spacia. Bah écoutez, tout est aux Terres Immaculées, donc on va se barrer, hein. Le gamin, il a vraiment demandé à son père pourquoi tu vas pas chercher du travail. Ah, purée, j'avais même pas vu. Purée, mais je loupe plein de dialogues drôles. Oh, je loupe tout. Alors, besoin d'acheter des objets, non, on s'en fout. Toi. Ah. D'accord. Bon, elle veut l'euphorie. Alors lui, oui, il veut des Goopix. Bon, j'en ai trouvé, mais je sais où est le dernier. Le dernier est là-bas, je l'ai mis avec une petite étoile, je voulais le faire avec vous. Même si, bon, il y a des fois des quêtes où j'ai avancé sans vous, hein, mais bon, pas grave. Le mec du ballon là, faut que j'aille ouais. Faut que j'aille faire le jeu du ballon. À mon avis, c'est un truc avec Guerriègle. Parce que Guerriègle on l'a eu là, donc à mon avis. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai rien dit. C'est parti. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des shiny là? Ça serait drôle quand même, hein. Ah mais oui, attendez. Ah oui, non mais attendez. Hop, vite. Quoi? Go. Ouais, non mais dégage. Ah purée. Attendez. Ah, purée. Bon, je fais de la merde. Je fais nawak. Mais vraiment.
Voilà. Ok. Bon là je suis pas mal je pense. Ah je suis un peu... Ah je l'ai plus. Bon c'est pas grave. Bon ouais je suis un peu mort dans le film là hein. Ok. Ça passe là? Non mais ça passe pas là hein. Ok. Ok. Très bien. Allez go. J'espère qu'il faut pas tous les éclater parce que sinon je suis dans la merde hein. Putain mais l'enfoiré. Go 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 go. Oh purée mince. J'espère qu'il en faut pas 40. On est dans la merde sinon. Ouais ok poussière étoile mince. Ah c'est bon, ok parfait. Oh une pépite, enfin 3 pépites. Cool. Alors il y avait d'autres missions du coup hein, ici. Étudions le gros champignon, on s'en fout. Allez, les vestiges d'un ancien hameau. Ah il faut que j'aille là-bas. On va, bah, comme ça on va finir la quête de comment ça s'appelle de machin là, vous avez capté. Enfin de Goopix. Ça devient de plus en plus chaud les éclatages de ballons. Ouais. D'accord. Ah. Ah d'accord. Et je dois faire quoi avec lui? Je dois l'attraper? Ah mince! Il est spectre. Aïe aïe aïe. Bah en fait, bah fais la quête à Raiza pour la méga apparition de la Terre Immaculée. Oui, je la fais après. Ok cool. Vous recevez un vieux journal. Il est à nouveau complet depuis que les pages manquantes du journal déchiré ont été retrouvées. D'accord. 1er septembre, j'ai du mal à croire que cela fait déjà un an que je vis au hameau avec. En relisant ce journal, je me suis souvenu de la première fois que j'ai rencontré. D'une certaine façon, ça me rappelle ce que j'avais rencontré. De cependant, je sais que ce genre d'histoire n'existe que dans les contes. 3 janvier. Pourquoi ai-je parlé à de l'histoire de il est trop tard, regret, m'a quitté. Il n'y a que dans la neige désormais pour me tenir compagnie. Je n'aurais jamais dû évoquer. Le journal se termine sur cette note. What? Ok, très bien. Bon alors du coup, on va faire le Goopix. Ah elle est là. Super. Ok. Alors. Bon toi t'as tous tes Goopix, t'es content. Merci d'avoir retrouvé mes petits. Grâce à toi ils sont tous revenus sains et saufs. Yes. Eh bien, on dirait que tu l'intrigues. Tu veux bien l'emmener avec toi? Je suis sûr qu'il saura se montrer utile pour tes recherches. Ah bah si tu veux. Ah bah ça me fait un nouveau Pokémon, tiens. Très bien. Petit Goopix. Cool. Donc c'est un magnifique Goopix d'Alola. Femelle. Vallée enneigée.
Plus attaque spéciale, moins défense. Ok. Bah, cool. Alors, du coup, il me faut des Apatumu. Que j'ai, du coup, là, je crois. Voilà. J'en ai 33. C'est très bien. Attends, on va tout déposer. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Voilà. Super. Ouais, du coup, on va aller voir... Magnifique Raiza. Bah, souhaitez-vous attendre Raiza, oui. Et là, comme par hasard, il va pleuvoir. On va se faire attaquer, peut-être. Je ne sais pas. Il a froid. T'as apporté les 10 Apatumu. Ouais. Retourner à rusticité? Non mais t'es sérieuse? Là je dois me casser là. Ah ouais. Bah alors excuse-moi mais on va déjà faire la quête d'autres quêtes alors du coup. L'euphorie au grand cœur. Bah on va aller la voir. Tu verras ce qui se passera. Sanji! Oula. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Camille. D'accord. Eh, sympa! Elle t'attend au village. D'accord. Faites votre rapport à Raiza. Ouais, mesdames et d'accord, mais d'abord, je vais aller voir ma copine là-bas. Voilà. Tu es venu m'aider à retrouver le Lofuri, c'est gentil. Je crois qu'il était dans les parages, mais je ne le vois pas. Ah! Très bien. Camille et Eliane, ils se détestent, on sait pas vraiment pourquoi. Ben en même temps j'ai envie de te dire tout le monde déteste Camille et je comprends pourquoi hein. Moi aussi je le déteste. Voilà. Oh mais écosphère. Rends-toi utile quoi. Allez dégage. Merci au revoir. Ah c'est vrai que j'ai le petit Goopix. Ah! Le petit l'euphorie. Ça fait le bruit d'une potion. Mais comme quoi, vous voyez, au début du jeu, il te disait oui, les gens ils ont peur des Pokémon et tout ça. Bah, finalement, bof, hein. Ils sont plus intrigués qu'autre chose, quoi. Après, la meuf, elle aurait pu le capturer son l'euphorie, hein. Il a zéro attaque, là. Il y a un truc avec Grelasson. Mais pourquoi il parle tout seul? Les gens ici sont bizarres. Hein. Ok. Pierre est fort, x3. Très bien. Donc elle c'était une experte autoproclamée en Grelasson mais elle savait pas quoi. Bah écoutez après là on n'a plus rien à faire hein. On s'en va hein. Sérieux Camille c'est un gars? Bah oui c'est un gars Camille. Alors Raiza. Qu'est-ce qu'il y a? Nakara voulait du riz ailé, du coup je lui en ai apporté, mais à part ça. Oh, mais si ça se trouve, des Pokémon t'ont joué un tour en changeant leur apparence.
Attends, c'était un Zorua ou un Zoroark là? Ah mais oui, parce qu'on l'a pas fait le contrefort couronné, c'est vrai en plus. Ah, d'accord, je me suis fait entuber là. Alors, on va descendre. Oh. Putain, on peut y aller là. Il y a des portes quand même, tu te demandes pourquoi elles sont là si jamais tu peux pas rentrer dedans quoi, enfin aucun intérêt du coup. Alors tu as trouvé une preuve de l'existence du hameau situé vers la pente de l'avalanche. D'accord. Comment tu dis que le vieux journal que tu avais récupéré a disparu et que c'est un Pokémon qui possédait le journal? Mais qu'est-ce qu'il racontait? Cela ressemble aux histoires du hameau que ma grand-mère me racontait. D'accord. Pierre Aube. Ah, ça débloque pas un nouveau hameau, quoi. Très bien. Alors. Ah, la suspension sur le toit. Attendez, il y a des trucs à faire là-bas. Examiner. La force du vent qui souffle ici semble lui déplaire. Oui, mais il nous emmerde, lui, hein. Dis donc. Et du coup, je dois aller où, là, maintenant? Faites votre rapport à Lou. Alors, je veux bien, mais Lou, où est-elle? Ça, je sais pas, hein. On va se reposer, je vais me mettre le jour. Hop. C'est vrai que la brise qui souffle chez moi est plus légère et agréable. C'est un connaisseur. Et si on a cabane près de la mer? Eh, dis donc, la grand-mère, là, elle me commence à me faire chier, hein? Eh! Pourquoi tu le gardes pas chez toi, le écho? Je suis sûr qu'au final, ça va pas lui plaire, ici. Et il va vouloir rester avec la grand-mère, et puis voilà. Mais Santi, il faut être sympa avec Ooko. Il a été sans domicile fixe toute sa vie. C'est difficile pour lui de choisir un bon endroit. Oui, non, mais écoute, ce n'est pas mon problème. Je suis pas Valérie Damido à mettre des Ooko sur les portes, moi. Il semble être attristé. Non, mais tu n'as pas d'âme, Ooko, d'accord? Tu es un espèce de truc pour mettre des vœux dessus, au Japon, là. Tu as un espèce de bout de ruban avec une boule. Ça lui plaît pas, garde-le. Oh, il aime donc les endroits animés. Comme je le comprends, c'est toujours agréable d'avoir de la compagnie, n'est-ce pas? Dans ce cas, essayons le dojo. Non, mais... Eh, heureusement qu'il y a des... il y a un moyen de se TP, hein. Hop. Ah, ça lui plaît? C'est ton Ooko, ça? Je peux m'entraîner avec lui, dis? Ah, ça lui plaît pas. D'accord. Ok. Elle a fait quoi? Apprendre une capacité. Ah, sympa, tu peux lui apprendre des capacités. Attendez. Aéropic. Queue de fer. Ça peut être sympa. Bon, feuille magique et tout ça, on s'en fout. Bah voilà. Et voilà. Et du coup, attendez maintenant. Ah non, attends. Ah, quoique, attendez, attendez. Oh oui! Il a plein de... Oh ouais, il a plein de trucs. Métal laser! Oh, trop stylé. Bon, alors attendez. Non, non, non. Je savais pas qu'il y avait ça. Bon, très bien. On va aller voir son Ooko. À la grand-mère. Ooko, le bout de ruban avec une boule. Non, mais c'est ça, c'est une boule avec un grelot, là. J'aime bien Ooko de base, mais là, il saoule. Oh, pauvre chérie, j'aurais dû savoir que tous les Pokémon n'aiment pas forcément combattre.
Non mais quoi? La maison, la truc d'à côté là? Ouais, ça lui plaît pas. En fait, cela me coûte de te dire ça après tous les efforts que tu as mis en œuvre pour m'aider à déménager Oko, mais je pense le garder à la maison finalement. Ben voilà, j'en étais sûr. Tout ça pour ça. Et là, j'espère que la récompense, c'est un truc de fou, hein. Et voilà. Ok, une pierre soleil, c'est très bien. Voilà. Alors. Bon, on va faire la méga apparition du coup, hein, maintenant. C'est parti. Sanji! Oh non, pas toi. Raiza! J'ai une vision de quelqu'un en danger, alors j'ai foncé jusqu'ici. D'accord. Ok. D'ailleurs, alors attendez, pendant que j'y pense là. J'ai pas un paras. Attendez, comment on fait une recherche? PPPPP. Paras. Bah non, j'en ai pas. Ok. Très bien. Alors. Oh, il y en a plein. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Quoi? Ok, ok. Ah oui, non mais oui, c'est vrai. Fallait que je lui parle pour le Gonfrex. Alors. Bah c'est bien parce qu'il y a que des Pokémon que je m'en fous, quoi. Donc. Moufouette. Ouais. Ah, il y a un Greek. Il y a Greek Note. Il y a Greek Note, en effet. C'est quoi, toi? Ah, ben. Ah, c'est la quête 105. T'as rien de rare. Bah, c'est la tristesse. Bon, après, comment il s'appelle, Greek Note, c'est sympa, mais bon. Oh là là, ça commence mal. Oh putain, bah ouais, d'accord. Ah, oh, elle va être chiante celle-là. Ah oui, non. Merde, non. Quoi? J'ai entendu un shiny, on est d'accord là? Attendez. Y'a un shiny. Attendez, y'a un Mime Junior shiny. On est d'accord? Il a failli me faire rater le bougre. Attendez, j'espère qu'il est toujours là quand même. Il est là. Super. Bah attendez, non mais là par contre c'était quoi ce délire? Genre vraiment le shiny, je pensais pas qu'il pouvait apparaître alors que tu faisais la quête là. Non mais c'était quoi ce délire? Bon ben voilà, j'ai un magnifique Mime Junior. Voilà, il est stylé. Bon. Très bien, hein. Non mais attendez, par contre, on a eu combien de shiny? 3 shiny en un stream? C'est quoi ce délire? Non mais putain, à chaque fois je me fais avoir.
Eh mais heureusement que je suis tombé en fait, hein. Au final. Je suis au top là. Oh non! Attends. Vite! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais. Oh! Il est con ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Non! Attendez, il y a un Lixi Shiny maintenant! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon. Au pire, c'est pas grave, j'ai sauvegardé s'il s'en va, mais. Il a bu mon guerrier-aigle là, c'est ce qui s'est passé. Non, mais j'ai jamais eu autant de shiny sur une map, qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'en fout de ce ballon, hein. Allez. Ok. Super. C'est mort, recommence? Voilà, super. Super. Alors, mais attendez, mais vous m'avez dit qu'il y avait... Attendez, c'est une blague quand même. Vous m'avez dit, les gars, oui, Sanji, il n'y a pas de shiny sur les baies. Mais vous mytho, c'est pas vrai ce que vous dites. Bah, deux apparitions où il y a des baies, deux shiny. À moins que ça augmente le taux de shiny, ce que je pense pas quand même, mais c'est bizarre. C'est une fake news, hein, ce que vous avez là, c'est pas possible. Écoutez ce bruit. Ah, j'adore ce bruit. Ce bruit me fait trop plaisir, non. Allez, wouh. J'ai pas besoin de sauvegarder, moi. Voilà, bam, dans la gueule. Enfin, dans le cul, du coup. Plutôt. Voilà. C'est là? Ouais. Renommons le live Vive les Shiny. Ah mais la rediff s'appellera comme ça, hein. Parce que en vrai. Mince, merde. Je pense pas que j'arriverai à terminer le jeu à 100% aujourd'hui. Voilà. Ah merde. Bon, là, ils sont pas contents. Et barre-nous. Bon. On va aller là-bas. Hein. S'il faut, il y a un magnifique... comment il s'appelle Un magnifique... je sais plus comment s'appelle ce truc-là. Espèce de soupe plat, là. Je sais comment ça s'appelle. Archéomir. Oui, bon, d'accord. Bon, d'accord. Très bien. Bah on dirait que l'adversaire est arrêté. Oh comme c'est dommage. Dis donc. Non mais de toute façon Rose Bouton, enfin, il s'en fout de ma vie. C'est où qu'il y a les mélophées? Ah c'est là je crois. Il y a un baron tu as là. C'est là-bas qu'il y a les mélophées? C'est vraiment le soir. Je crois que c'est le soir, putain, j'aurais dû me mettre le soir. Eh, une fois c'est le soir, une fois c'est la nuit, et il faut savoir. Hein? Bon, allez, on va remonter. Ah bah voilà, ils sont là. Tiens.
Tiens. C'est bon. Voilà, super. Alors, le Lixi, je le garde comme ça, mais 100%. J'adore ce... Mélodelph. Très bien. Hop. Ok. Quoi? Attends, elle a dit quoi? Ah oui, voilà, c'est ça. Alors bon, déjà, je suis trop content parce que regardez tous les shiny qu'on a eu aujourd'hui, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. On va tout mettre là-bas. Hop. Bon, toi, tu restes avec moi. Vas-y, parce que je t'aime bien. Skelenox, bon, tu dégages. Mélofée, voilà. Shaglam aussi. Voilà, Shaglam qui est là. Donc, on en a eu 4 aujourd'hui. Plutôt pas mal. En plus, c'est beaucoup de 4G. Shaglam 4G, Mime Junior 4G, Lixi 4G. Et là, c'est Muplodocus. C'est quoi? C'est 6G? C'est XY, Muplodocus. Bon, après, c'est sa version ISUI, donc forcément. Par contre, 1 sur 15, putain, j'aurais pu avoir le Canino. Je suis dégoûté. Au niveau 10, c'est 2 sur 4096. Au niveau parfait, c'est 4 sur 4096. Sur la variété Rosa Rugosa, je compte toutes les coupées à grands coups de faux jusqu'à ce que l'île soit rasée. J'essaierai de les cueillir à la main jusqu'à maintenant, mais avec l'aide d'un sécateur, la tâche sera bien plus aisée. Pourquoi vous faites ça? C'est pour ma femme. Son souhait le plus cher est de vivre entouré de ses roses. Comment ça? Oh! Bah ouais. Il voulait arracher toutes les fleurs, cet abruti. Ah oui, mais du coup, il me faut un parasect. Attends, non, mais par contre, est-ce qu'il veut un parasect, genre parasect tranquillou, quoi? Ou il veut un parasect d'une zone précise? Parce qu'en soi, il la voit pas si c'est une zone précise. Si? Mais putain! Allez, viens. Super, j'en ai eu un. Attends. Le taux le plus faible, c'est le suivant. Parfait plus charme chroma plus apparition massive, c'est 1 sur 128. Attends, il s'est barré. Quoi? Et pourquoi? Pourquoi tu t'en vas, mec? Dans ton cas, Sanji, tu as un taux de 1 sur 133. 1 sur 315 dans les méga apparitions, d'accord. Ok. Oui, parce que moi j'ai. Enfin. En soi, j'ai terminé à plus 10 pas mal de Pokémon, mais pas tous, quoi. Donc, je m'étonne. Bon, voilà, j'ai récupéré du coup Happy Rain. Enfin, Happy Trini, pardon. C'est Happy Trini qui voulait, c'était pas Happy Rain, hein, quand même. Hein, parce que sinon, ça va pas le faire, là. Ah non, non, mais je veux pas Parasect, moi. Ah non, 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 non. Ah, c'était toi, pardon. Ouais. Sifano en sueur. Pas que lui, hein. Quoi? Oh non, tu déconnes. Ah ouais, il veut vraiment des trucs précis, quoi. Oh là 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 là. Alors, mon cap humain, maintenant. Ah, nouvelle quête. Putain, il y a plein de quêtes. Les évolutions d'Evoli. À 52. Attends, mais qui veut des trucs sur son Evoli, là? Parlez à Floro. Et l'autre avec ses... ses mélophées là. Ah, il était or, il est... Ouais, je sais pas. Bon, on va faire le truc d'Evoli alors. Me dis pas qu'il veut toutes les entrées d'Evoli parce que sinon ça va me saouler, hein.
Pareil. Évolue-le en Philali, c'est le meilleur, et puis basta, quoi. Putain, il en est encore là avec son Evoli. Quoi? J'entends souvent les gars qui bossent au siège parler d'un Evoli en ce moment. Ouais, et donc, tu veux quoi? Enfin, mais c'est quoi qu'il veut, là? Genre, il veut que j'aille où? Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris, là. Bon, c'est pas grave, hein. Les gens qui bossent au siège. Non, mais, ok, bon, d'accord. Alors. Ah oui, les psychoquacks. C'était où, ça, les psychoquacks? Ah, c'était... Ah, une apparition massive. Ah, merde. D'accord. Bon, on va aller faire les psychoquacks. C'est la quête combien? C'est le truc des évolis, là, la 52, je crois. Oh bah, nickel, c'est à côté. Tiens. Donc c'est le même remède que Cynthia dans Diamant et Perle, en fait. Ah, c'est sympa. Et voilà! Rappel max. Parfait. Et il a le même chapeau que Camille, c'est pour ça que j'ai un peu vomi. Alors attendez. Ruine brumeuse, col mer nuage, lisière, lac courage à mot, nanana, nanana. Il voulait le monde des cap humains, lui. Oh, mais là, le problème, c'est que le monde des cap humains, j'ai pas. Alors attends. Il n'y a pas une autre... Confus, un villageois expert en fongus. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que Parasect, moi, je sais pas où il est, quoi. Enfin, genre... Je vais aller voir dans mon Pokédex, parce que je devrais peut-être l'avoir. À mon avis, c'est... Non, mais... Marie-Carmin, parce que sinon, on va se faire chier, là. Kenotor... Ah, voilà. Alors, il est où? Plaine d'or, lisière du hameau, col mer nuage, ok. Bon bah c'est tout à côté, quoi. Voilà. Si seulement j'avais pas transféré tous mes Pokémon dans le home. Mais bon, après là j'ai envie de vous dire, dans le Pokémon home, ça y est, j'ai tout mon Pokédex complet d'issue, donc j'ai pas le toucher, quoi. Je me suis assez fait chier pour le remplir, j'ai pas non plus en vider certains, quoi. Ah! Ah, mais c'est le Noctali de l'autre, là. Ah non, c'est pas lui, zut, alors. Moi qui pensais le trouver ici. À mon avis, on va se faire toutes les évolutions. Ah, c'est lui? Donner à manger au Noctali, Rusty Muffin. Non, en vrai, les évolutions sont stylées, mais... Tiens. Quoi? Bah oui, je lui donne, c'est pour ça que je lui parle. Ah, donc il a évolué, d'accord. Un super bonbon, ok. Bon, j'ai pris la pierre haut, mais j'ai pas fait exprès, hein, donc... Ouais, sois content, c'est bien. Il est content. Cool. Bon, après, les pierres hauts, c'est pas ce qui me manque, hein, vraiment. Alors. Bah, du coup, on peut se barrer. Tiens, on va sauvegarder un coup, parce que j'ai toujours peur que mon jeu crache, parce que ça m'est déjà arrivé, et... Vous vous en souvenez, dans le dernier live, j'avais quitté sans faire exprès, et vu que j'avais plus les sauvegardes auto, bah, j'avais tout perdu. Bon, maintenant, on va bouffer du Noctali. Enfin, c'est plutôt Noctali qui va bouffer. Alors... Bon, allez, faisons le truc du Parasect. Ouais, non, on avait dit que c'était en même temps qu'à Pitrini qu'on voulait faire. À la recherche de feuilles amères. Ah oui, putain, il fallait... Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il fallait que je prenne un machin, là? Vous m'avez pas... Nickel. Vous m'avez pas dit qu'il fallait que je prenne le chlorobule? Pas cool, ça.
Ah non, mais je l'ai déjà en shiny, putain, j'ai eu peur. Oh, purée, mais il y a Brindibou, j'avais pas capté. Ah, c'est génial, ça. Bah, cool. Allons-y. Voilà. Coucou. Oh, mais c'est trop mignon. Attends. Merde, dégage. Oh, allez, flèche. Quoi? Pourquoi il s'est barré là? Ah non, 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 mais vous barrez pas, hein. Non, mais attendez, vous barrez pas. Bon. Voilà. C'est tout après? Oh non! J'ai mis trop de temps à avoir un archiduc baron shiny. Eh bah dis donc. Bah toi déjà t'en as un shiny. Hein? Oh mais oui, il est... c'est x4. Vous sentez la présence d'une nouvelle horde? What? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah non mais fermez là. Ah merde, putain, ils sont méchants maintenant. Ah non Dieu. Attendez. Capture les le et flèche, il y aura peut-être une nouvelle vague. Ok, ok. Bon, on va faire du grinding, hein, c'est pas grave. Après, moi, c'est pas mon préféré et flèche en shiny. Enfin, il est vert et tout. J'aime bien Brindibou en shiny. Et flèche, vas-y. Voilà. Je sais pas comment est par contre le shiny de Archiduc. Tombe la tête la première là. What do? Attendez. Voilà. L'averse n'est pas prête de s'arrêter, ok. Bah attends, mais ils se sont pas trompés là, c'est pas une averse. Donc l'averse n'est pas prête de s'arrêter. C'est pas l'averse n'est pas prêt de s'arrêter, ça veut rien dire ça. C'est l'averse n'est pas prête de s'arrêter, on est d'accord là, il y a eu un problème de trad, non? En fait, dès qu'ils voient que tu as une Pokéball dans la main, ils veulent te défoncer quoi. Voilà. Bon alors du coup c'est mort. On va aller voir Hippopotas. Parce que j'aime bien Popotam. Petit Potam. Ah, ils sont là. Alors les Popotam. Oh putain. Et je déteste. Ah non mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Ouais bon. Rien à foutre. Allez. On se casse. Je vais aller voir mon ami Farfuré là-bas. Ils sont là. J'avais pas prévu qu'ils soient aussi rapidement là, quoi. Bon, alors je vais pas prendre eux du coup. Oh là là, mais les dégâts de chute, quoi, c'est infernal. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Moi je l'ai entendu. Putain de Lixi de merde! C'est encore un Lixi! Mais putain!
Mais regardez-le là-bas. Mais ah. Bon, on va se déplacer tel un ninja, d'accord. Mon hyperbole est pour toi, Lixi. Bon, c'est bien parce que ça va me faire un luxray. Et au moins, j'en aurai un legit, quoi. Parce que le seul luxray que j'ai shiny, il est pas legit. Je l'avais fait avec l'action replay. Voilà, voilà. Par contre, cette quête au niveau des shiny, elle rapporte masse. Hein. Et j'aurais dû attendre cette quête, d'ailleurs, pour faire la quête des mélophées. By the way. Oh, les rotules, ça fait mal. Ouais, vous êtes content, moi aussi. Allez. Oh bordel, non, mais pourquoi il y a un baron là? Enfin, c'est pas un baron en plus, non, c'est juste une évolution. D'accord. Ya. Mais putain. Viens là. Mais eh, dis donc. Tu vas manger tes dents, toi, hein. Bon, ok, toi tu te casses. Allez, voilà, barre-toi. Ça va le stalker là, on dirait. Voilà. Mais le def, il faut la recadrer. Ah bah oui, oui, ça, mais ça y est. Laser glace. Ah oui, non, mais c'est vrai que le gel dans... Ah non, et il peut pas bouger, d'accord. Le gel dans cet opus est nul. Oh, l'animation plénitude, elle est sympa. C'est des kidnappeurs de l'espace, les mélodelfes. Ouais. Ça y est. On se booste, mélodelfes. De toute façon, c'est con de se booster pour après te faire capturer, quoi. Un peu con. Le Goopix qui est surexploité avec son laser glace. Eh hey, oh, c'est mon Goopix, d'accord. Je l'ai eu à la sueur de mon front, ok. Merci. Parfait. Bon. On s'en fout, hein. Non, je vais pas me reposer. Alors. Donc voilà, encore un Lixi. Lixi, on dirait qu'il s'est trempé dans la mayonnaise ou de la moutarde. J'en ai pas un autre de shiny là, qu'on a récupéré. Non, je crois que c'est tout. Hein. Non, ok, c'est bon. Ouais, bon alors, hop. Il est mignon, Lixi, comme ça. Hein. Moi, j'aime bien. Non, on va pas le faire évoluer. Je vais en garder deux comme ça, c'est très bien. C'est le shiny que j'aurais eu le plus de fois, Lixi, avec Magmar. C'est fou quand même, hein. Alors, du coup, ouais, je vais prendre mon Typhlosion shiny. Je vais prendre des Pokémon forts en fait. Tu vas en faire quoi des shiny que tu as eu? Bah, je vais les garder pour moi. Et peut-être que le Lixi, je le donnerai à quelqu'un qui m'offrera un meilleur shiny. Faites des dons, bien sûr. Non, mais faites vos propositions de shiny. Et parce qu'un shiny de Sanji en live, ça n'a pas de prix, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, je vais les transférer dans le Pokémon Home. Alors, c'est où le monde des caps humains? C'est ici? Non, c'est pas là. Alors, c'est où le monde des caps humains? C'est peut-être ici. Bah non, c'est pas là. Alors, il fallait que je trouve un chlorobule d'ailleurs. C'est ici peut-être. Bah, c'est où le monde des caps humains? Ah, c'est là-bas! Ouais, bah du coup en plus il y avait la quête de la meuf, donc on va faire ça. Dis-toi que Akenji a gift son Raymond gratuitement. C'est qui Raymond? Ah, de Animal Crossing. Bah non, mais Akenji c'est une bonne poire.
Akenji, il est... c'est le meilleur. Voilà, c'est pour ça que c'est mon modo d'ailleurs. Ah oui! Ah mais elle est là-bas, je la vois. Genre il a éco-sphère lui. Tiens, ta mère. Alors, on va lui faire une petite capacité, genre petite attaque. On est d'accord que Okiri a absolument rien à voir avec Remoraid. En fait, c'est parce que j'ai vu que Remoraid, déjà, vous savez de quoi c'est inspiré déjà. Parce que en fait, il y a eu des esquisses des premiers designs de Pokémon qu'on a eu du coup à l'heure actuelle. Mais il se trouve qu'il y a des fois des Pokémon qui ont bien changé. Et par exemple, Okiri, à la base, ça devait pas être un Pokémon. Enfin, si, ça devait être une espèce de pieuvre. Mais ça, son design n'était pas comme ça. En fait, Okiri, c'est censé être un canon. Enfin, un tank plutôt. Dans ses premières les premières esquisses de Okiri, c'était un espèce de tank. Et en fait, Remoraid, à la base, c'est un pistolet en fait. Son design, c'est inspiré d'un pistolet. Et en fait, c'est un pistolet qui évolue du coup pour une autre arme qui est un tank. C'est pour ça. Tout simplement. Bon, ben là, je crois que la page de Okiri est terminée, non? Alors, la côte Lazuli. Remoraid. 4. Attends, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me fait 8 là. Je comprends pas. 4, 1, spécimen vaincu par une attaque électrique, hydrocanon. Ah, il faut que j'utilise hydrocanon, d'accord. Est-ce que je l'ai déjà hydrocanon? Telle est la question. Ça te fait 9. Comment ça, ça te fait... Comment ça, ça me fait 9? Tu vois, c'est qui, Cube? Oui, c'est un espèce de pingouin, là, non? Dans Animal Crossing. Attends. Est-ce que mon Remoraid, déjà, il a hydrocanon? Yes! Bah, parfait. Tiens. Niveau de recherche 9, bah c'est bon. J'ai juste à faire hydrocanon en puissant et ça y est. Allez, je me casse. Tu le tues quand même. Voilà, merci. Voilà, j'ai terminé Okiri. Quoi qu'il en soit, les Octiris ne sont pas venimeux, ce qui signifie qu'on peut les consommer, leur encre sans... Enfin, on peut consommer leur encre sans inquiétude. Mais pourquoi tu veux bouffer de l'encre d'Octiri? Enfin, genre, t'as des délires chelous, Marimad, je crois. Bouffer des pâtes noires, là. Voilà. Bon, c'est bon, t'es content. À mon avis, il va en avoir un autre. Enfin, il va en vouloir un autre. Mmh. Ah. Ah bah de l'île Rosarugo, ça. Bon, ça je sais où c'est du coup hein. Alors, bah du coup toi je vais te donner le Parasect qu'on est allé chercher. Ou la Calmos Sanji. De quoi? J'ai dit quoi? Trop bizarre ce Pokémon. Hein. Le champignon s'est retourné. Hein? Mais non, c'est le Pokémon. C'est lui qui s'est retourné. Les 20 années d'expérience en champignon me disent qu'un truc tourne pas rond. J'ai l'impression que malgré les apparences, c'est bien le champignon qui vient de bouger. Oui, parce qu'en fait, c'est le champignon qui a pris possession du Pokémon, quoi. Ah, je t'ai bien eu, c'est clairement impossible, voyons. Un champignon qui contrôle le corps d'un Pokémon, ce serait assez extraordinaire, non? Bah, c'est ça, en fait. J'aime bien parce que les petites quêtes sont liées vraiment au Pokémon pour le coup. Les pattes noires. Bah c'est dégueulasse, enfin genre vous avez vu?
Bah, tous les plats noirs sont dégueulasses, hein. Le réglisse, enfin tous les trucs, tous les aliments noirs sont pas fous, hein, en termes de goût. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah. Sel, roche dure, fève, herbe souterraine. Ok. Bien sûr, on espère que ces phrases ne sont pas sorties du compte. Ah, vous êtes dégueulasse. Faire des trucs comme ça, là. Oh. Mais d'où? D'où il a évolué avec une soupe? D'accord. Très bien. Alors, et les amis, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle chasse au shiny? Avec bien évidemment un Lixie shiny parce que on est là. Oh, Brindibou encore! Brindibou, c'est stylé. Mélo fait. Bah, c'est pas fou. C'est pas fou. Ah, mais tiens, alors attendez. J'ai pas une pierre glace là? Si. Mais en fait, la pierre glace, mis à part pour Goopix, elle sert à quoi? Et pour Givrali peut-être. Ils ont pas mis une pierre glace juste pour deux Pokémon. Et voilà. Il est stylé, hein, Fenard. J'aime beaucoup comme ça. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir le petit Brindibou. Ok. Ça va chier. Venez ici. Allez. Allez, on veut le Brindibou shiny. Le Brindibou shiny. Il est là, je le sens là. Il est là. Il va apparaître là. Après celui-là, il apparaît. Putain. Quoi? Ouais. Tiens. Avec ta coupe de emo là. Pas shiny. Pas encore. Bon, il y a juste un Fenard qui... Enfin, mon Goopix qui évolue en Fenard, quoi, mais... Voilà. Elle est partie, l'apparition? Ah, non. Bah... Ah, il y en a un, là. Salut. Allez, voilà, parfait. Peut évoluer. Bah, c'est très bien pour lui, mais il va rester comme ça, hein. Ah, mais il y en a encore. Ah mais oui, en plus, hein. Faut disparaître, hein. Voilà. Donc là, je peux faire mon rapport à Raiza parce que j'ai terminé. Après, est-ce qu'il y a des Pokémon vraiment qui m'intéressent, là, en termes de shiny? Je vais aller voir, peut-être... Eflèche le relou. Ah oui, non, mais Eflèche, c'est... En plus d'être moche, il est chiant, quoi, hein. Je vais aller voir un petit côté de Mime Junior. Enfin, je vais... Ouais, bon, voilà. J'ai juste passé devant. Et s'il y a du shiny, bah, c'est très sympa. S'il y en a pas, c'est pas très grave. On se barre, hein. Parce que là, il n'y a vraiment aucun shiny qui m'intéresse, pour le coup. Parce que soit je connais pas comment ils sont en shiny, soit bah, ça m'intéresse tout juste pas, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il fout? Quoi? Qu'est-ce qu'il fout, là? C'est qui, ça? What? Papillote choix. Mais c'était quoi? C'était... D'accord. Tiens, on va essayer de les avoir de loin, mais... Merde. Tiens, dans la gueule!
Ah, je l'ai pas de loin. Fais chier. Quoi, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Voilà. Ah, il me voit quand même, hein. Eh, hey, mais c'est un dessous de plat qui attaque. Bon, je me casse. Allez. Bon, ben voilà, c'était inutile. Allez. On se casse, hein. Bon, moi, j'y vais. Bon stream et bonne soirée à vous. Ben, merci. Merci à toi. Ah, Damantin. Quoi? Il m'a donné 100 trucs, c'est sympa. Et eux, ils saoulent avec leur Dialga et Palkia, là. Déjà, ils sont dans mon Pokémon Home. Ils n'existent plus, d'accord, dans cette version. Donc, faut arrêter. Quoi? Il m'a fait quoi, là? Il m'a... Ça veut dire quoi, ça? En plus d'être BG, il est généreux. Ah, ça, c'est vrai qu'il est BG, Adamantin, là. Et voilà. Merci beaucoup. Bon, on peut se barrer du coup. Et du coup, on va terminer avec la dernière mission. Et après, on va s'arrêter là pour ce live. Et oui. Allez. Les terres immaculées. Les terres immaculées. On veut petit guerrier aigle. Je sais comment il s'appelle. Furiglon. Eh ben oui, ça caille, hein. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Pas content. Oh putain. Pas lui. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Je suis venu. Si je suis venu, c'est pour vous prévenir que la magie apparition des terres immaculées est un peu différente des autres. Oula. Ah d'accord, c'est un blizzard, bah oui. Et c'est tout? Vous êtes venu juste pour ça? Et ils vont servir à quoi du coup? Parce que j'ai pas compris là. Ah là là, ils sont chiants. Ils sont chiants. Allez. Furiglon, mon ami Furiglon. Attends, lui il me dit quoi là? Ouais, non, il me dit rien en fait. Je peux pas en ravoir un? Non. Il s'en fout. C'est horrible qu'elle me raquette comme ça mes Gowav là. Putain, il n'y a pas de Furiglon. Oh, il y a Moustillon. Il y a Moustillon. Ça, c'est bien. Bon, après, ça, c'est cool qu'il y ait Stalgamin. Moi, j'aime bien Stalgamin. Bon, la pourrée, il y a encore un rose. C'est chiant. Kenotor, pourquoi pas. Et après, ouais, Osef, quoi. Ok. Très bien. Si, il y a Furiglon. Où ça? Oh, mais oui! Il est là! J'avais pas vu! Oh! Je sais pas pourquoi. Pourquoi je crie? Je suis malade ou quoi? J'avais pas capté! Bah, c'est génial! Si j'ai un Furiglon shiny, je pleure. Wow, y a des guerriers aigles! Trop stylé! Mais y a pas Furiglon shiny! Oh, il m'a vu, mais d'où lui? Bon, au moins, c'est des attaquants, quoi. Ouais, ça fait mal.
Bah heureusement que j'ai eu un... comment ça, un sonar d'Halo là hein. Ah non mais non mais non hein. Ouais. Ah, il m'a pas vu, c'est pas vrai. Bon. Bon bah il y a plus rien, il hein. Y a pas de, de Fury Glanchain, dommage. Dommage, dommage. Pas grave. Ah bah il y a la meuf des trucs relous là. Pour les pépites. Lui normalement je l'ai en recherche 10 hein, donc je devrais peut-être avoir plus de chances de l'avoir en shiny. Bah non je l'ai pas. Voilà. Voilà. Super. Ouais mais d'accord. D'accord, on peut avoir des autres vagues comme ça. Bah alors je vais terminer la vague Furiglon parce que je savais pas en fait. Je pensais que c'était que quand il y avait des étoiles. D'accord, d'accord, ok. Bah je savais pas. Je savais pas, donc ok, intéressant. Non. Ça, ça a redonné pas mal de PV quand même. Pas ça que je voulais faire, bordel. Putain, il ressemble à rien, Typhlosion en shiny. Hein. Franchement, je suis dégoûté. Je m'attendais à ce que les flammes bougent et tout. Enfin, changent de couleur. Genre en jaune ou un truc du genre. Pas du tout. Il n'y avait pas de nouvelle apparition, donc j'ai bien fait de pas continuer, quoi. Voilà. Bonsoir. Allez. Voilà. Et dire que j'en ai chié pour eux. J'ai attendu les failles spatio-temporelles juste pour avoir des moustillons. Et là, ils m'en mettent 29, là, dans... Oh non, bordel. Non, mais barrez-vous. Non, mais alors, par contre... Non. Casse-toi. Ouais. Il s'est cassé la gueule. Voilà. Ok. Oh mais casse-toi, Mateloutre là. Ouais, c'est bon. Oh purée, mais lui aussi. Oh purée, 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 purée. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Ils sont un peu cons quand même. Bon. Bon, allez, vas-y. Voilà. Voilà. Le blizzard devrait bientôt s'arrêter. Allez. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je parle pas, je suis concentré. Hein. Voilà. Mais t'es pas mort, toi ? Super. Super. Ouh. Bon. Il n'y avait pas de moustillon shiny. Bon, je m'attendais à rien honnêtement, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ah, cette musique aussi, elle est sympa. Je sens que tu auras encore deux shiny. Oh non, quand même, là, j'ai été bien gâté, hein, je pense.
sont les Pokémon qui ont été signalés. Est-ce que vous pensez que si je me casse de la zone, même si j'ai terminé la mission, et que je reviens, il y aura encore des apparitions? Parce que là, j'ai terminé un peu la mission quand même. Ah. J'avais pas un truc à faire, oui, au Marais Carmin. Je vais aller récupérer le chlorobule là. Ah oui, en effet, il a trois trucs. Et voilà. Je vais en prendre un autre, tiens. Voilà. Un Pachirisu, un Togepi. Tiens, toi, tais-toi. Oh, oh, oh. Y'en a pas un autre, là? Bon, non, c'est pas grave. Allez, on peut se casser. Allez, on est parti. Il fallait que je trouve un Apitrini, hein, aussi. Attendez, je fais le tour, mais... Attendez. J'ai loupé quelque chose, 100%, parce que c'est pas possible, là. Bah. Apitrini? C'est pas possible. Bah, il y en a bien un là, quand même. Enfin, Oh non, me dis pas que c'est les spawns. Oh non, me dis pas que c'est ça. Me dis pas que c'est dans les spawns comme ça, là. Oh non. Par pitié. Oh putain, mais t'as trois arbres fruitiers, quoi. Non. Ok. Bon. Bah, alors, on peut se barrer, hein. Non, mais vous déconnez, là. Putain, mais bougez, les arbres. Il n'y a pas un arbre qui bouge! Non, mais il n'y a pas un arbre qui bouge! Ah! Oh, je vous l'avais dit en plus! Il y a une méga apparition! Incroyable! Est-ce que si je sauvegarde, il y a toujours les méga apparitions ou pas? On va sauvegarder, hein. On sait jamais. Hop. Alors. Raiza. Ah oui, non mais attends, mais comment on fait si je veux qu'elle me donne les indices de la méga apparition, mais pas qu'elle me valide la mission? Ah oui. Mais elle est où, Raiza, là? Mais attends, mais Raiza, elle est où? Ah, mais allô là, mais j'ai rien à foutre. Mais t'es où? Ah putain, je l'ai pas vu! Oh, pff, rotule. Ouais, ouais, vous êtes sympa. Sympa? Ah non! Putain, mais ils m'ont fait... Ah non! Ah non! Ah non, 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 non! Ah non! Non, non, non. Non, 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 non. On dirait que tu as refusé un accord. Ah, mais je refuse un accord, là. Oui, tout à fait, là. Oh, mais je suis trop fort. Je suis trop fort. Eh, le devin ou quoi? Oh putain, en plus il y a Lucario. Allez, je me casse, ça y est. C'est Onyx Dali, ça? Ça c'est quoi? C'est quoi? Un Shaglam. Voilà, si tu veux. En fait, il faut que je sois assez proche d'eux pour les faire pop, quoi. C'est des Grignotes, vous avez vu? C'est bien des Grignotes, non?
Ça, c'est quoi là-bas? Ah, c'est des stalgamins, on a dit. Bon, je vais me TP alors. Boum! Putain! Ah oh, merde! Bon, allez, je suis mort. Bon, Zorua. Ah non. Oui, c'est bon. Bon. Eh bah, écoute. Akenji, bien joué. Hein. Il n'en reste plus qu'un, là, et tu as le ratio. On va voir si... Si ça va être un mâle ou une femelle, mais je suis très content parce que il est très joli le style gamin. Et voilà. Yes. Et voilà, j'ai les 100 000 en plus, c'est parfait. Alors, que se passe-t-il? C'est la fin des quêtes à Kenji ou il y en a encore d'autres? On y est! Pile à temps. C'est la fin, mais il y en a encore d'autres. C'est-à-dire d'autres. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est magnifique. Le grand Palkia nous a offert cet endroit majestueux. Ouais, avec des textures moches, là, au fond, vous voyez, c'est beau. Et le grand Dialga fait défiler le temps. Et c'est grâce à eux qu'on peut admirer un tel paysage. Ces vastes terres en Isuie, je les aime plus que de... Donc quoi? Je suis trop fatigué, là. Ces vastes terres de Isuie, je les aime plus que tout. Alors Sanji, ça t'a plu de mener toutes ces recherches? Mais oui, je me suis amusé comme jamais, en fait. Moi aussi, j'ai adoré essayer de résoudre ce mystère. Ok? Au fait, on m'a dit que ton Winfrex sera juste au méga apparition. Il va bien? On dirait que oui. En tout cas, les Pokémon sont des créatures vraiment mystérieuses. Mais on peut lui dire merci, il nous a bien aidé pour trouver les méga apparitions. Ah bah oui, merci à Winfrex qui nous a filé 5 Shiny en un live, quoi. En ce qui nous concerne, va falloir apprendre à s'adapter au monde qui nous entoure. Dis Sanji, à ton avis, qu'est-ce que les habitants de Isui et les Pokémon feront dans le futur? Des concours de la chasse aux badges. Des badges? C'est quoi? Tu peux expliquer? Des bijoux qu'on obtient après avoir battu les meilleurs au combat? J'aimerais bien que ça existe, moi ça me plairait bien d'être celle qui les offre. Je sais pas comment sera l'avenir, mais moi, je suis heureuse d'être née à une époque si riche en changements. Je suis d'accord, mais faut pas oublier que ça peut changer en bien comme en mal. Il y aura toujours des gens qui refuseront le changement, et ça, ce sera pas facile de les convaincre, j'imagine. En tout cas, merci de nous avoir vendu du rêve, Sanji. Ok. Tu sais, Sanji, ces méga apparitions, finalement, c'est peut-être vraiment un cadeau du grand Sinnoh. Après tout, c'est grâce à ça que tu nous as aidés et que tu nous as montré qu'on pouvait changer. Mmh. Mmh. Mais est-ce que Adamantin est mort? Mais non, il est là!
Et voilà, l'éveil de Isui. Comment ça, il y en a 10 et elles sont assez fastidieuses, c'est-à-dire, genre elles sont difficiles? Avec le monsieur... Oh putain, merci pour vos recherches, Sanji. Excusez-moi de vous importuner, mais auriez-vous l'obligation de me suivre au dojo? Oh, me dis pas que c'est des combats. Me dis pas ça. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Je t'ai fait venir ici. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour une unique raison. Je souhaite que tu participes à de nouvelles formes de combat Pokémon. Avant de te rencontrer, je voyais les Pokémon comme des créatures effrayantes. Grâce à toi, de plus en plus de personnes font leur font confiance et cessent aux joies des combats aux côtés de leurs partenaires. Voilà pourquoi j'aimerais que tu continues de nous montrer la voie. D'accord. Oui, difficile parce qu'il faut se battre avec des Pokémon spécifiques. Ah! D'accord. Ok. Ok, ok. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a? As-tu essayé de relever le... De quoi s'agit-il? La voie solitaire est un défi qui consiste à se battre avec un seul Pokémon à ses côtés. Bah, je prends mon Arceus, quoi. Bah. La voie solitaire de Kenotor? Oh non. Oh, Chenizel! Bah ouais. C'est quoi ces missions? Putain, on était prêts, on était à la fin. Il y en a combien au total de missions? Mais il y a combien de combats à chaque fois? Waouh, wow, mais c'est chaud. La 122 non la la 120, ah oui, la 122, d'accord. C'est rapide, mais certains sont durs si t'as pas un bon Pokémon. Ah bah, écoute, Akenji, si... si tu as réussi tes missions, moi, je veux bien prendre tes Pokémon, hein. Et voilà. Parfait. Bon, ça, c'est fait. Ils sont vraiment chauds, surtout quand tu vas utiliser Abra ou Magikarp. Ouais, mais Akenji, il a déjà tout au max, je suis sûr. Enfin, il a tout... Il a tous les trucs au max et tout. C'est un pro, Akenji. Oh, il y a une méga apparition. Oh, bah alors. Bon, alors. Faisons une dernière méga apparition et on s'arrête là. Parce que, voilà, quoi. Hein, c'est compliqué, après. Hein. Bon, déjà. Merci. J'ai plus de galets. Ok. Super. Alors, Raiza, elle est où avec son... Ah voilà, elle est là. On va... Ouais, on va... Putain, il y a deux Tiplouf. Mais j'ai déjà Tiplouf.
Il y a Mélo, il y a Mélo, il y a Mélo, il y a... Putain, mais il y a que des rapions, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il y a que des rapions, il y a même pas de caninos, quoi. Putain. On va aller voir Écaillon, hein. Mais... Ok. Mais venez! Voilà. Les écaillons de mon cœur. Ah. Voilà. Non mais vous savez quoi là, je suis dépité là. Je suis dépité. Oh non. Il y a encore une méga apparition les gars, on fait quoi? En fait ce que je devrais faire c'est sauvegarder avant la méga apparition, regarder ce qu'il y a d'intéressant. Et s'il n'y a pas des trucs intéressants, ben je me casse quoi. C'est ça le délire en fait. Non mais attendez, mais d'où il y a une apparition de Zarbi? C'est quoi ce délire? Non mais ça n'existe pas les Zarbi là. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une méga apparition de Zarbi. Non mais attendez, si j'ai un Zarbi shiny, mais plus rien ne va hein. Là je pense que le jeu est contre moi, la vie est contre moi. Ah ben salut. Salut les Zarbi. Non mais non. Non. Ta mère toi. Oh putain. Ah. Attends. Jesse. Putain. C'était le pire, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, c'est le pire. Pourquoi ça arrive qu'à moi ce genre de truc? Mais qui aime Zarbi Shiny? Mais qui aime ce Pokémon? Ah, ils s'en vont pas en plus en fait, genre ils se... ta mère toi là, le point d'interrogation. Putain. Mais Zarbi Shiny quoi. Zarbi Shiny les gars, je ne peux pas, c'est horrible ce qui se passe. Vraiment, qui aime ce Pokémon? Non. Putain, j'ai presque envie de quitter là. Voilà, voilà. Mais la gueule du truc, ça me fait de... C'est... J'ai honte. Mais j'ai honte de terminer sur ça, quoi. Putain. Le Zarbi Shiny, quoi. Waouh. On est sur... Sur un truc de fou, quand même, là. Je vais vous montrer tous les Pokémon, du coup, qu'on a eu durant cette vidéo. Enfin, on en a récupéré pas mal, quand même. On a fait pas mal de quêtes. On terminera, peut-être... Putain, il est stylé, quand même, hein. Ah, c'est un mâle. Oh, mais c'est parfait. En plus, il est bleu, comme la couleur du mâle, donc c'est génial. Alors, merde. C'est où les shiny, là? Ils sont où, les shiny? Attends, what? Ils sont où, les shiny? Ah, là. J'ai hâte de regarder mes réactions. Putain, j'ai le Mime Junior, là. Bon, alors. Hop. Alors, c'est lequel qu'on a eu en premier? Ah bah oui, c'est Muplodocus. Après, je crois qu'on a eu Shaglam. Après, on a eu les deux Lixi. Et après, bah du coup, on a eu Stalgamin et Zar... Non, on a eu Mime Junior, Stalgamin et après Zarbi. Voilà, voilà. Hein. Bah voilà, on va... Regardez-moi ça. Une belle team de winners. Hein. Bon, le Stalgamin... En vrai, il est très beau, hein, j'aime beaucoup.
Voilà. Voilà. Non mais toi, mais toi, mais juste toi quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est la team. C'est la team des Shiny. Voilà, voilà. Donc eh ben, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je vous remercie du coup d'avoir regardé ce stream de Pokémon Legend à Arceus.